Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle table ronde sur le film Independence Day Résurgence. Je suis en compagnie d'Aurel je vais y arriver, du coin des critiques ciné. Voilà, je suis arrivé. Aurel, salut. Présente ta page, présente ta chaîne pour ceux qui ne connaissent pas, même si tu l'as déjà fait, mais vas-y. Eh bien, bonjour, donc moi c'est Aurel, donc j'ai ma chaîne Le Coin des Critiques Ciné, où je fais quelques lives de temps en temps sur des films, et je tiens également un site internet qui s'appelle Le Coin des Critiques Ciné aussi, voilà. Voilà, je suis en compagnie également de Valérian que je ne présente plus. Bonsoir tout le monde. Voilà. En compagnie d'Adam. Coucou, c'est moi. Et d'un nouveau qui n'est pas nouveau, donc je vais le présenter parce qu'il a changé de nom. Le monde de Charles, c'est Charles. Voilà. C'est Charles. Genre, je suis nouveau, tu vois. Maintenant, c'est le monde de Charles. Présente ta nouvelle chaîne, Charles. Oh là là. La nouvelle chaîne, ça va encore parler de cinéma, mais particulièrement centré sur le cinéma japonais. Mais ce qui va être spécifique, c'est que je vais parler aussi d'anthropologie et de tout ce que je vais faire comme recherche par rapport à mon master. Voilà. Voilà, donc bon, il n'y a pas encore beaucoup de contenu, voire pas du tout, à part un live très coloré. Mais viendront des contenus beaucoup plus sérieux. Très bien. On va commencer sans plus attendre. Alors, premières impressions. Aurel, qu'as-tu pensé d'Independence Day Résurgence? Bah, déjà, il faut savoir que je suis un fan du premier, enfin, que je l'apprécie énormément. Et donc, quand j'ai entendu parler déjà du projet, je restais un peu sceptique quand même, parce que je voyais pas comment on pouvait faire une suite à ce film, vu comment c'était terminé le premier. Et donc, voilà, et puis le sujet, quand ils en ont parlé, ça m'intéressait. Je me suis dit, bon, on va tenter le coup. Et finalement, je suis ressorti de la salle assez déçu, parce qu'en fait, c'est une pâle copie du premier, je trouve. Ils ont pas renouvelé du tout le truc, il y a rien de nouveau en fait. C'est la même chose, je trouve. Il y a aucune évolution, que ce soit scénaristique ou au niveau de la mise en scène. Donc même s'ils ont repris quelques-uns des comédiens comme Jeff Goldblum ou Bill Pullman, ça sauve pas trop le film, je dirais. Et j'en reste vraiment assez déçu. C'est cliché à mort. C'est mal joué pour la plupart des nouveaux comédiens. Il y avait Chris Hemsworth dedans, qui est pitoyable. Mike Monroe aussi. Enfin, je les trouve vraiment pas très bons. C'est Liam Hemsworth. Ce n'est pas Chris Hemsworth, c'est le petit frère. C'est son frère. C'est Liam, moi, je confonds avec les deux à chaque fois. Voilà. Et donc voilà. Enfin, pour dire que voilà, je le trouve vraiment pas terrible dans ce film et qui m'a vraiment déçu. Et il y a quelques scènes qui sont sympas et tout, notamment aux effets spéciaux qui sont plutôt réussi à certains moments, parce qu'il faut savoir que le film, je l'ai vu en IMAX, donc on est plutôt bien immergé dans l'action, mais même des fois, il y a des effets spéciaux qui sont carrément dégueulasses, et ça se voit que c'est de la CGI quand même. Mmh. Et, okay. Mais il y en a qui sont plutôt bien gérés, je dirais quand même, mais voilà, ça suffit pas à faire un bon film. Très bien, on va développer après, à moins que tu aies quelque chose à retirer, c'est juste un avis bref, hein. Ouais, d'accord. Bon. Tu développeras après, t'inquiète, on va faire point par point, t'auras le temps de développer. D'accord, ok. Charles. J'ai ni aimé ni pas aimé, c'est-à-dire que je l'ai trouvé, j'ai passé un moment correct, on va dire. Le premier, je l'adore, sans que ce soit, par contre, c'est pas comme toi Aurélien, c'est pas non plus un truc que je retiens énormément. C'est comme, pour moi, j'ai eu la même impression que le premier, avec le charme en moins. Il y avait un charme dans le premier. Et j'ai pris le film pour ce qu'il était, hein, c'est-à-dire du second degré. Donc heureusement, faut prendre des films comme ça. C'est-à-dire que si tu kiffes le film au premier degré, faut savoir les attentes que tu as envers ce type de film. Et ce film prétend être du second degré, donc heureusement que c'est pas plus. Adam. Alors moi, j'ai un avis différent de vous deux. J'attendais pas ce film spécialement. Je suis allé le voir juste parce que il y avait une avant-première du film dans mon ciné, donc je me suis dit bon, je vais y aller. Donc du coup, c'était l'occasion pour moi de regarder le premier. Donc, comme ça, j'ai vu les deux dans la même journée. Avis vite fait sur le premier.
Alors c'est un film, je ne comprends pas pourquoi il a un tel succès. Je ne comprends pas pourquoi c'est un tel phénomène ni rien, parce que je trouve que c'est un film extrêmement débile. Même si on y passe un très bon moment, je trouve que c'est un excellent film de divertissement. Mais si tu laisses passer toutes les aberrations qu'il y a dedans, donc pour moi c'est plus un plaisir coupable qu'autre chose. Je sais pas pourquoi je sens le débat sur les aberrations. Je le sens venir avec toi. Il y a des trucs, c'est voilà. Pour ce qui est du deuxième, il suit la lignée du premier, c'est-à-dire que toujours un film qui est toujours aussi con. J'ai trouvé moins débile que le premier. J'y ai passé un bon moment, c'était sympa, l'action était cool. Après, il y a eu beaucoup de fanservice. Bon, ça m'a pas gêné tant que ça, le fanservice, parce que je trouvais que c'était plutôt bien animé, il était bien utilisé. En fait, il savait bien utiliser le fanservice. Mais après, là où je lui donnerais des gros bémols, ça serait en termes de mise en scène et... Mais sinon, comme ça, j'ai passé un bon moment sans que ce soit un truc de ouf. Après, je trouve que quand même, c'est une bonne suite. C'est une bonne suite. Par contre, j'attends vraiment le troisième parce que le troisième, il a l'air de s'annoncer plutôt différent. Voilà. D'accord. Très bien. Valérian. Charles, tu as bien fait de parler d'attente. À avoir, de préparer ses attentes, de ne pas avoir de penser, je vais arriver à formuler un truc, de bien penser, d'avoir de bonnes attentes pour aller voir ce film. Or, devant les critiques américaines qui étaient assez mauvaises, moi je me suis dit, oh là là, bon, il faut quand même que je me prépare à un truc mirobolant, et finalement, ce n'était pas si mal. Roland Emmerich a passé les années 2000 à détruire l'Amérique. On voit très bien que dans ce film-là, il n'en a plus rien à foutre. Il se moque de son film comme il se moque de l'Amérique et pirate sa propre histoire. Et quand je me suis rendu compte de ça pour Independence Day déjà à l'époque, eh bien j'ai pas mal savouré le film avec cette optique-là. Cette optique de cynisme et de parodie. Très bien. Quant à moi, ouais, ça, je suis un peu du même avis. Je suis du même avis de tout le monde, en fait. Je vais m'expliquer. J'avais la nostalgie du premier. C'est un film que j'avais plutôt bien apprécié, malgré son cynisme évident, comme tu l'as dit, Valérian. Et j'avais bien aimé, même si c'était des fois un peu balourd. Il y avait des répliques qui sont tout de même drôles et assez cultes. J'ai pas retrouvé ça dans le premier, par contre. Dans le deuxième, pardon. J'ai pas retrouvé de réplique. Je trouve que contrairement au premier, il y a une surenchère qui rajoute de la lourdeur. Et ça m'a pas vraiment plu. Le seul point positif que je pourrais donner pour le moment, c'est qu'au moins, c'est pas un reboot, c'est une suite. Et ils ont prévu d'en faire encore deux autres, d'après ce que j'ai compris. Donc on verra bien. Mais c'est pas folichon. Et mon plus gros regret dans ce film... Il y a beaucoup de surenchères patriotiques, comme dans le premier, avec la notion de sacrifice. Et on ne rend pas hommage au personnage du premier qui a fait le vrai sacrifice dans le premier film. Oui, oui. Russell Case, exactement, qui fait le vrai sacrifice, l'action héroïque du premier. Et là, en fait, il n'y a rien. Dans le deuxième, on n'en parle même pas. Il est même pas là. On ne voit même pas ses enfants. On voit rien, alors qu'on voit les enfants de tout le monde. On voit les enfants de Will Smith. On sait qu'il est mort. On ne sait pas trop comment. Il y a deux, trois affiches. Genre, son fils, il est adulé parce que c'est le fils d'un héros. Et voilà. Mais le reste, non, lui, on n'en parle pas. Alors qu'il a peut-être fait l'action qui a sauvé le monde dans le premier film. Moi, je trouvais ça un peu dommage. Mais sinon, oui, on est dans la surenchère, un plus gros vaisseau. Une reine-mère gigantesque qui ressemble à une reine-mère alien. J'ai passé un bon moment visuel, mais je n'ai pas vraiment rigolé. C'était moyen, quoi. Voilà. Donc, c'est tout. Du coup, la table ronde est terminée. Voilà. Je vais faire la blague à chaque fois. Quand je ne sais pas quoi dire, je fais toujours cette blague-là. C'est ridicule. On va passer au synopsis scénario. Qui veut nous faire un petit synopsis du film ? Vas-y, je suis chaud. T'es chaud ? Alors, vas-y, Charles. Ouais, je vais vous envahir comme les aliens.
de ma prestance vocale. C'est pas compliqué, c'est la suite des Independence Day où les extraterrestres ont tenté d'envahir la Terre. Ils ont été repoussés par Jeff Goldblum qui a réussi à mettre une queue USB pirate. Donc voilà. Et après les aliens, comme ils sont pas contents, ils reviennent sur Terre pour refaire la même chose, mais en deux fois, avec un vaisseau mais énorme quoi, de 5000 km de diamètre, mais avec plus de force, plus de moyens. Et il faut savoir aussi qu'ils ont envahi d'autres planètes et ils veulent refaire le coup sur la Terre. Et donc, la Terre doit se préparer à se venger, mais avec cette fois-ci les technologies extraterrestres qu'ils ont réussi à s'accaparer. Ouais, très bien. Bon, du coup, tu vas continuer sur ta lancée, Charles ? Ce scénario, alors, Charles ? Non, mais alors, il y a des films, voilà, ils veulent faire un scénario sérieux, sombre, tout ça. Des fois, c'est fait avec prétention ou pas prétention. Et là, Roland Emmerich, également, nous fait un scénario extrêmement simple et ne nous cherche pas à faire plus compliqué que ça. C'est la promesse du film. Donc, en soi, le scénario, il est correct. Et puis, même s'il peut y avoir, je sais que Adam va certainement rebondir dessus, des aberrations. Écoute, déjà, il y a des extraterrestres qui viennent sur Terre, donc bon, aberration, assez compliqué de contester ça. En tout cas, c'est une histoire... que j'ai trouvé, les extraterrestres veulent envahir la Terre, et puis ils mettent les moyens, et les terriens utilisent leur technologie, et il y a toujours un délire politique derrière. Donc, assez compliqué comme ça de dire qu'est-ce qu'il y a. Moi, j'ai rien de vraiment particulier à dire, ce serait surtout, je pense, en rebondissant sur les avis de chacun, parce que. Non, je vois pas quoi. C'est une histoire très simple, quoi, extraterrestres contre les terriens, quoi. Très très simple même. Aurel, vas-y, enchaîne. Pas si simple, c'est juste un truc, c'est pas si simple parce que t'as quand même la boue blanche là qui est oui, un ça, témoin ça, de... par contre, qui est assez intéressant où t'as la boue blanche qui est un témoin de... un témoin de un espoir et ça c'était plutôt cool. Aurel, vas-y. Moi, ce que j'en pense déjà le scénario, donc j'avais. Je trouve que c'est déjà l'idée de base, c'est un peu tiré par les cheveux, je trouve. Alors parce que moi, je pensais que déjà l'intérêt d'en faire une suite finalement pour un scénario aussi basique, c'est je vois pas l'intérêt parce qu'ils auraient dû s'arrêter au premier où ils avaient éliminé les extraterrestres et puis là, ils reviennent comme ça. Pour nous éliminer. Alors, ce qui me fait marrer, c'est qu'ils disent, ils savaient qu'ils reviendraient, mais ils sont quand même laminés. Hein. Ils sont quand même, ils se prennent une belle branlée quand même. On le voit à Londres, d'ailleurs, la scène de Londres où la ville elle se fait détruire. Quoi. Et finalement, on revient à un scénario qui n'a pas d'évolution en fait. C'est le premier. Les extraterrestres, ils viennent sur Terre, ils viennent nous détruire, et puis on arrive à les repousser à la fin. Quoi. Et donc c'est exactement pareil quoi. Il y a rien de nouveau. Enfin, il y a des trucs de nouveau. Ils ont été obligés de rajouter quelques petits trucs là, l'histoire de la boule blanche ou tout ça, ou l'histoire de la lune et tout ça. Et franchement, il y a rien. Obligé, c'est pas une obligation. Enfin, c'est Roland Emmerich qui a décidé de ça, donc il y a aucune obligation. Ouais, hein. Regarde, il y a plein de films comme ça où on a d'un film célèbre et ils ont repris le même scénario. Par exemple, pour moi, ce film-là, il me rappelle un peu le cas Ghostbusters 2, tu vois. C'est le même film, mais avec quelques nuances. Pour moi, c'est un peu la même chose ici avec ce film, et ça ne pose pas de problème qu'ils refassent le même film. C'est-à-dire que, ok, il y a l'extraterrestre urbaine, mais en beaucoup plus gros, tu vois. Et en plus, ça va nous... ça va justifier le fait qu'on n'arrive toujours pas à les battre parce que eux, leur vaisseau est beaucoup plus gros. Ce que je veux dire, même si on a leur technologie alien, on peut rien faire contre un vaisseau qui fait 500 000 km de diamètre. Enfin, c'est le truc est tellement énorme que bon, c'est voilà quoi, tu m'excuseras. Et voilà quoi, on retrouve les anciens personnages, on a vu que certains ont évolué.
C'est intéressant de les revoir pour ça. Ensuite, les nouveaux, même s'ils sont un peu mis à écart, c'est-à-dire je ne trouve pas tellement développé. Voilà, vous nous montrez que bah ils sont là en tant que pour prendre le flambeau quoi. Et ça peut être intéressant pour la suite. Oui, mais c'est aucunement un défaut en tout cas qu'il y ait des trucs nouveaux. Oui, c'est pas un défaut. Et voilà, le fait de reprendre le même scénario, moi je dis pourquoi pas. Parce qu'on nous rajoute des trucs, des nouveaux trucs, des nouveaux concepts, et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Le truc de la boule blanche, ça, c'est le truc qui m'a le plus intéressé dans tout le film, que l'invasion extraterrestre. C'est très bien comment ça va se finir, si on a vu le premier film, on sait que les gentils vont gagner, mais c'est ce qu'il y a derrière, c'est la promesse de la suite qui va faire en sorte que ça va nous intéresser. Ça aurait été juste comme le premier, et il y aurait rien eu derrière. À ce moment-là, oui, j'aurais trouvé ça pas intéressant, oui. Mais vu qu'on nous rajoute des petits détails, ça donne un certain intérêt. Ouais, non, mais attends, ils réutilisent la technologie extraterrestre. Déjà, c'est une bonne idée. Ils disent, ils sont malins. Enfin, voilà, on voit une population qui réagit. Alors, ok, c'est très furbeux. Ah, on s'est tous unis, du coup, contre un seul ennemi commun. Bon, ok. Enfin, je pense qu'il va mieux le dire comme premier. Ça s'est fait. Oui, mais comme le premier, dans le 2, il y a un passif derrière, c'est ça que je veux dire. Il n'y avait pas eu d'extraterrestres avant, en 96. C'est plutôt cool, et puis il dégage si. Une. On l'a vu avant, il y avait eu Roswell. Ah oui, alors c'était pas une invasion extraterrestre, il n'y avait pas eu comme il y avait eu une catastrophe. Ouais. Valérian. Alors en effet, un des principaux atouts de cette suite, c'est justement que c'est une véritable suite qui prend en compte les éléments du précédent, comment ça s'est terminé, la nouvelle technologie qui est pour les humains et bien sûr, on va dire plus détendue sur le monde puisqu'on a on n'a plus vraiment les villes américaines qui se font démolir, mais on a Dubaï qui vient rendre une petite visite à Londres, donc ça c'est plutôt bien quand on reprochait au premier « Oh, il y a un petit peu trop de destruction de villes américaines ». Là, on est une autre ville, donc on montre aussi que le conflit s'étend, ou ce qui se passe en tout cas autour des aliens s'étend ailleurs dans le monde, tout ce qui se passe en Afrique, le fait qu'un vaisseau ait débarqué, en plus un des gros vaisseaux du premier, est débarqué en Afrique, ça c'est quand même dingue parce qu'on montre aussi que il y a d'autres peuples qui ont affronté les aliens d'une autre façon. Alors bien sûr on le voit pas directement dans le film, mais ça nous est dit à travers un espèce de chef de guerre qui a appris à se la jouer méga commando par rapport à ces aliens. Moi je trouve que c'est une super bonne idée de nous avoir présenté une autre optique, voilà. Alors que les Américains, eux, c'est les gros avions de combat et tout ça, les Africains, ils n'ont pas tout ça, alors ils sont démerdés autrement, avec les instincts de chasse et comment prendre à revers, trouver les points sensibles de l'armure biomécanique des aliens, alors que les Américains, ils tiraient dessus en face avec leurs flingues, bon, ça va, mais quand on a des machettes, comment on fait? Voilà, donc le mec, il dit, il faut les prendre par derrière. Je trouve ça vraiment très bien. Le deuxième point, en plus, j'ai pas été spoilé pour les bandes-annonces, c'est qu'en fait, on t'étend le conflit terrestre à un conflit intergalactique. Ça, c'est énorme. Avec, comme ce globe, en plus, le truc du globe, c'est énorme. Encore une fois, là, vous dites, oui, c'est un copier-coller du premier. Justement, le premier passe son temps à nous présenter la situation comme un film catastrophe, avec des signes avant-coureurs, un truc qui peut prendre... Je crois que ça prenait 45 minutes avant qu'ils attaquent, ce qui est quand même énorme. Là, c'est beaucoup plus court, et c'est justement, Roland Emmerich sait qu'on attend un peu la même construction, donc qu'est-ce qu'il nous fait? Tout d'un coup, on arrive devant un nouveau vaisseau. On dit, oh putain, ça c'est les aliens, il faut tout de suite le buter. Alors, il tire dessus, et en fait, c'est pas les aliens. Et ça, je trouvais ça énorme, parce que tu dis, le vaisseau, il a l'air bien différent. Alors, il y a la présidente, bon, on va le buter. Il y a Jeff Goldblum, ce serait pas possible de peut-être un petit peu attendre, non on va le buter tout de suite, et t'as le truc qui se crache, et en fait c'est pas du tout ça, c'est une autre forme d'extraterrestre, et je trouve cette idée géniale, et se dire que ces extraterrestres là ils ont affronté les aliens, on nous le narre, et ce sont des aliens qui sont là pour nous aider. Je trouve que c'est un bon atout du film. Et c'est surtout un truc qui vient un peu sans prévenir et qui ouvre en fait les possibilités du film. Et presque maintenant, à partir de ce moment-là, l'enjeu du film ne devient pas l'enjeu de la survie de l'humanité, c'est faire survivre cette petite boule très précieuse du regard de la reine alien.
avec ses systèmes de leurre et tout ça, je me suis dit, oh là là, le film, il essaie de se replacer par rapport à un autre enjeu que, voilà, il faut péter le vaisseau alien, ne c'est même plus le but. Voilà, il faut essayer de faire survivre ce moyen de faire, comment dire, de faire évoluer notre technologie, mais de façon inimaginable. Je trouve ça, enfin, je trouve que c'est vraiment un enjeu, en fait, du premier, c'était la survie de l'humanité. Eh bien, là, c'est son évolution de l'humanité qu'il faut faire survivre à travers cette technologie. Alors, je trouve que, voilà, le film, dans le deuxième, se bascule, en fait. Il bascule vraiment sur les enjeux de cette organisation de défense. Ce n'est plus, le film n'est plus sur le patriotisme américain et tout ça. Non, non, c'est sur les possibilités de défense de cette organisation. Oui, oui. On le voit non seulement que, on va dire que sur la totalité des personnages, t'as plus de la moitié qui sont des personnages qui ont un lien de près ou de loin à cette organisation. Donc c'est vraiment la volonté d'Emmerich, c'est de recentrer, de resserrer, de renfermer le récit sur les gens qui sont occupés de cette organisation qui est le résultat du premier film. Donc je trouve que c'est vraiment en termes d'enjeux et de scénario, c'est quand même assez différent. Du premier. Et en cela, moi, ça m'a assez grisé de voir tout ça. Le scénario, en fait, il est basique. Par contre, ce qui a évolué et ce qui est toujours bien présent, ce sont les intrigues derrière, les intérêts, la solidarité, tout ça, la façon de procéder. T'as raison de parler de l'Africain qui doit réagir en fonction des machettes. Donc, c'est plus gros, c'est plus machin, mais... Il y a une évolution. Après, des fois, c'est fait par des personnages qui jouent pas super bien, je trouve. Donc, du coup, ça défile un petit peu. Ah, mais les personnages, on a envie qu'ils crèvent, hein, ça, c'est sûr. Voilà, après, bon, là, c'est dans les personnages, mais au niveau de l'histoire, enfin, moi, je vois pas d'erreur par rapport à ce qui est proposé. Bon, en même temps, c'est comme si tu promettais à quelqu'un, je vais faire deux sauts, je te fais deux demi-sactos et t'as réussi à le faire. Ouais, c'est pas très dur, tu vois. Donc, Par contre, en fait, ce qui me gêne, c'est que autant le premier. Quand je l'avais revu pour faire ma critique, je trouvais que toutes les transitions entre tous les différents lieux de part et d'autre des États-Unis, c'était super bien géré. Parce qu'on part quand même de Washington à Los Angeles, à New York, à la campagne, et ça, sans aucun problème, je trouve que tout passait vachement bien. Et bien ici, je trouvais que pourtant les gens sont beaucoup plus resserrés dans des lieux... Il y a beaucoup moins de lieux qu'on doit montrer au début du film. Mais je trouve que le rythme du film est un petit peu moins bien géré. À un moment, il y a une sauce qui commence à prendre, il commence à y avoir un peu de tension. Et tout d'un coup, on bascule directement sur une maison de retraite avec le père de David qui doit faire dédicacer son livre. Je trouvais que, mis à part au-delà de la scène en elle-même, je trouve que l'insertion de cette scène à ce moment du film n'était pas le bienvenu. Je trouve qu'ils étaient un petit peu moins rigoureux dans la façon dont ils allaient présenter tous les personnages à la chaîne. Le premier, je trouvais que ça passait vraiment bien. Mais alors le deuxième, j'avais un petit peu de mal. Hein. Ils auraient dû peut-être enlever un ou deux personnages pour que ça soit plus smooth, plus fluide en fait. Et le problème, c'est qu'ils se sentaient obligés, puisqu'il y a des lieux qui sont des lieux importants, qui sont les points de départ des personnages. La Lune, Washington, le centre militaire là, de la zone 51, ils se sentaient obligés de faire presque des simili de fonctions de personnages pour chacun des lieux. Tu as le mec humoristique, tu as le général, et tu as le héros, autant sur la Lune qu'au centre, dans la zone 51, et ça m'a beaucoup gêné, et en Afrique aussi, du coup. Donc moi, ça m'a beaucoup gêné, en fait, de retrouver ces copies de personnages en fonction des lieux principaux au début du récit. Et c'est là que je trouvais que ça alourdissait, c'était pas... Tu vois, il y avait quelque chose qui était un peu lourdingue, alors que le premier, il n'y avait pas cette construction-là. Bah, c'est vrai, tu vois que le film est un peu bâtard. Il alterne à la fois entre plein de choses et à la fois la légèreté du film. C'est-à-dire que Emmerich, il veut faire dans son second degré, mais par contre, ça n'empêche pas de vouloir mettre tellement de choses, qu'il y a cette, comme tu as dit, cette fluidité qui n'est plus là. Ouais. Ouais, c'est un scénario qui est beaucoup moins simple que le premier au final. Et moi, j'ai eu du mal au début parce que l'apparition de ce nouveau vaisseau, je me suis dit je m'attendais à ce qu'ils reproduisent pas les erreurs du passé, à savoir réfléchir deux secondes avant d'agir. Mais on retombe très vite dans ce qu'on avait découvert le premier, c'est l'Amérique fait la guerre. Et on réfléchit pas et on défonce ce vaisseau, tu vois.
Donc sur le coup, je faisais un peu la gueule, mais c'est vrai que ça sert très bien le... Mais en même temps, on dit, là, la dernière fois, ils avaient pris un peu trop de temps pour réfléchir et ils se sont fait complètement annihiler. Oui, c'est vrai que c'est un peu l'inverse. Et même quand ils ont réfléchi, on va utiliser la bombe nucléaire, ça n'a pas servi. Donc les mecs, ils ont dit, bon là, on tente le tout pour le tout, on s'est déjà fait... on s'était fait battre à plate couture. Là, on a une, comme ils avaient dit, on a une arme à 500 milliards de dollars sur la Lune. Ça va servir, ce machin. Ouais. Et en plus, ça les galvanise, hein, parce qu'ils détruisent le vaisseau d'un seul coup. Ils disent, oh, ben le deuxième, tu vas voir, on va lui foutre aussi une raclée. Deuxième, bam, et puis voilà, quoi. D'ailleurs, ce qui est bien triste, c'est parce que ça fait 20 ans qu'ils les attendent, qu'ils savent, qu'ils ont assimilé ces technologies extraterrestres, ils ont fait un bond en avant dans la technologie. Un peu partout dans le monde. Ça fait 20 ans, on voit, il y a une espèce de défense extraplanétaire où il y a des centaines de satellites qui flottent avec des missiles, enfin des canons et tout. Ils se font annihiler en l'espace de quelques secondes. Et tu te dis, putain, ils ont mis 20 ans à mettre ça en place et ils se font détruire. J'étais sous le choc, je me dis, putain, les pauvres, quoi. C'est là où tu vois que Emmerich, il rit de ça. Ah oui, complètement. Ils se foutent de nous. Ah, vous avez vu, les gars, ils ont mis 20 ans à faire ça. Ils se sont fait dégommer. Par contre, que j'ai relevé, alors vous allez me donner votre avis. Enfin, même deux choses, je voulais en parler. Le premier truc, c'est donc quand on arrive en Afrique, en fait, on apprend que voilà, bah, ces soldats d'un dirigeant local se sont battus durant 10 ans contre les aliens de ce vaisseau, en fait. Donc c'est-à-dire que pendant 10 ans, la bataille était finie pour tout le monde, mais eux, non, ils sont démerdés tout seuls à éliminer tout le reste des aliens, quoi. Et ouais. Je me suis dit, mais alors on parle d'union interplanétaire, et au final, eux, ils sont tout seuls dans leur pauvre Afrique, comme des grosses merdes, à se taper à la machette contre des aliens. Et on apprend même que le dirigeant local, il a perdu son père et son petit frère, et son frère par la bêtise de son père. Et je trouvais ça vachement bizarre. Je me dis, attends, on est dans une union interplanétaire. Et les mecs ouais, sont mais tout tu sais seuls très bien que l'Afrique, bah, les Américains n'ont rien à foutre. Ouais. Et c'est comme aujourd'hui, non, c'est comme on a l'ONU et pourtant les gens, il y a des présidents des pays, ils font rien. Enfin, alors attention, c'est pas si simple que ça, Adam. Oui, je sais que c'est pas si simple que ça. Parce que c'est vrai que là, pour le coup, ce qui me choque, c'est comme tu l'as dit, Valérian. C'est tout beau, tout rose, tout le monde s'entend bien, il n'y a plus la guerre depuis plus de 20 ans, quoi. Tout le monde se fait des bisous, tout va bien. Mmh. Et eux, on les a laissés dans la merde pendant 10 ans. Ouais, c'est pour ça que David, quand il revient en Afrique, il dit « Oh my God !» parce qu'il n'était pas du tout au courant qu'il y en avait un qui s'était vraiment posé, quoi. Ils s'occupaient de leur petite défense à eux, comme des gros égoïstes, hein, que sont les Américains, et en fait, ils ne se sont pas rendus compte. Peut-être si on allait dans d'autres pays pour voir ce que ça a donné, quoi. Non, mais que si dalle. On a dit « Ok, à Pékin, c'est bon, à Paris, c'est bon, mais en Afrique, qu'on en a rien à foutre. Ouais. Bah, c'est déjà c'est que surtout ils voulaient reconstruire leur pays parce que dans le premier film, t'as plein de vies qui ont été dévastées et tu vois que depuis ça a beaucoup changé. Mais c'est vrai, en Afrique, il n'y a pas de ville importante. Donc les mecs, en fait, les extraterrestres sont posés et personne n'allait les chercher. Après, il y a un truc aussi qui est très drôle et tu t'as fait la remarque aussi tout à l'heure. C'est au niveau ça m'a gêné un peu. Au niveau des changements de plan, je saute du coq à l'âne un peu, mais on reviendra après sur tout ce qui est montage, tout ça. Mais il y a un truc qui m'a gêné, c'est que dans le premier, t'avais pas besoin de qu'on t'écrive, on est à tel endroit pour reconnaître. T'avais un petit décor, on voyait la campagne, bon, il est à la campagne, ok, on comprend. Il est à Washington, je voyais la Maison Blanche, on comprend. Ouais. Et ainsi de suite. Et là, en fait, il y a tellement peu de décors où c'est tellement, il y a tellement des fonds verts derrière avec des trucs un peu stylisés et tout, qu'au final, on est obligé de te marquer. Ok, ici là t'es à la zone 51. Ok, là ici t'es à Washington. Ouais, mais okay, t'as vu tous les trucs qui ont été détruits dans le premier, c'est normal, ils ont tout reconstruit. Tu reconnais plus. Après, ils ont tout reconstruit, ouais, mais c'est vrai que ça, c'était un peu gênant. Et par contre, ce que j'ai retrouvé, ce qui m'a fait rire, mais j'ai pas retrouvé ce côté un peu. vous allez comprendre. Tu sais, les changements de plan où tu vois tous les mecs des pays qui fêtent à la fin dans le premier, genre ouais, on a tué les monstres, ouais. En Afrique, on a changé. T'as tous ces changements de plan à la manière d'un spot Coca-Cola un peu qui me faisait bien rire à l'époque. Et là, en fait, ils ont essayé de faire ça pendant le film, mais en fait, ça faisait vachement bizarre. Genre, t'as l'impression qu'il y a beaucoup moins de pays. T'avais deux policiers dans le désert, c'est à ce qui ressemble dans un pays du Maghreb, tu vois. Et enfin, tu vois des moines à un moment, des moines, des bouddhas, des trucs. Et c'était très drôle, mais en même temps, ils ont essayé de faire la même chose, mais t'as l'impression que du coup, le monde est beaucoup plus restreint, quoi. Il y a vraiment, même si tu vois que le conflit se passe un peu partout. T'as plus l'impression que bah il y a l'Amérique machin c'est tout de suite t'as l'impression que le monde est tout petit de par la taille du vaisseau et comment c'est monté en fait. Bah, mais tu vois aussi les gens qui ont peur, les gens ils ont peur, ils sont isolés, ils sont pas forcément dans des fous aussi.
Et un dernier truc que j'avais relevé, par contre, et là, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai l'impression qu'il y a des scènes qui ont été supprimées, je vais vous dire pourquoi. À la mort de la présidente, donc il y a l'intronisation du nouveau président qui est un chef militaire, et là, tu as Jeff Goldblum qui préfère sortir de la salle. Et là, je me suis dit, ah ouais, c'est peut-être le symbole que les militaires prennent le pouvoir, et du coup, ça le gêne un peu, et il s'en va, mais au final, après, on en reste là. On n'en parle pas plus après, tu vois. Et donc, je me suis dit peut-être qu'en fait, il y avait certaines scènes après et que ça a été coupé. Je me suis dit, ah, c'est dommage. Parce que c'est explicite. Quand tu vois certaines, les scènes qui ont été coupées dans le premier, tu peux bien te douter que le deuxième, il devait y avoir aussi des scènes un petit peu trop. Voilà, qui ne passeraient pas dans un blockbuster, qui ont été enlevées. Dans le premier, quand tu vois les scènes qui ont été enlevées, tu comprends en fait. Qu'elles ont été enlevées parce que c'est trop gênant, quoi. J'ai pas vu les scènes. Ah, t'as des trucs qui sont horribles. Hein. J'ai pas un moment, je reviens rapidement sur le premier. Il y a peut-être l'exemple le plus marquant, c'est quand tu sais, ils arrivent dans la zone 51, t'as toutes les caravanes avec Will Smith qui arrive avec l'alien. Mm-hmm. Bien, t'as le professeur Folding là qui arrive pour reprendre l'alien. Mm-hmm. Et bien, en fait, t'avais en montage alterné, tu avais Russell Case qui demandait un médecin pour s'occuper de son fils là qui avait des problèmes, qui était malade. Mm-hmm. Et en fait, il te faisait un montage alterné avec Russell Case qui suppliait les militaires de venir aider pour son fils et le professeur Folding qui traitait l'alien comme un grand blessé. Et okay. Ça, je trouve ça la fout vachement mal, quoi. Enfin, ça, c'est carrément critiquer. Les choix, les priorités des scientifiques ou même de l'armée qui préfèrent s'occuper d'un alien, enfin qu'on s'en tape de l'alien quoi, et plutôt de s'occuper de son peuple. Et ça passe pas. Donc le film avait enlevé ce passage en gardant uniquement le professeur qui s'occupe de l'alien. Ouais. C'est dans la version longue du film d'ailleurs, je crois. Exactement, dans la version longue du film. Alors, voilà, là, parce que j'ai le Blu-ray et en effet il y a ces scènes, c'est la version longue, il y a 15 minutes en plus. Ouais. Là, je pense qu'il devait éventuellement, en effet, avoir quelques scènes de cet ordre-là, qui sont pas forcément, enfin, qui sont trop explicites de la critique et de la parodie de l'Amérique pour être comme ça mis directement dans le film. Et il y en a qui étaient inutiles aussi, je pense. Ouais, peut-être. Mais après, peut-être, ouais. Oui. Dans le premier, quand tu vois dans le premier film et dans la version longue, je parle là. Hein. Tu vois qu'il y a plein de scènes inutiles et tu te dis, ben, en fait, oui, ils ont bien fait de les enlever et elles n'apportent rien au film, quoi, finalement. Ouais. Mais après, voilà, pour revenir sur le scénario, je trouve en plus qu'il. Enfin, il est parodique, mais il est terriblement d'actualité. Parce que pour moi, le résumé de ce scénario, c'est que t'as beau te préparer. Enfin, mis à part le dénouement final, hein, bien sûr, t'as beau te préparer à tout et n'importe quoi, tu seras jamais prêt à l'inattendu, quoi. Oui, ça c'est le cas de le dire, c'est d'actualité. C'est vraiment ça, et c'est terriblement d'actualité. J'ai pas besoin de citer les événements qui sont passés il y a pas longtemps, mais t'as beau te préparer, et au final, t'es pas prêt. T'es jamais prêt parce que tu peux t'imaginer tous les scénarios possibles, et c'est pas celui-là qui va se produire, tout simplement. Mais c'est vraiment le début du film avec le premier vaisseau et le deuxième vaisseau. Ouais, ouais. C'est vraiment ça. Hein. C'est exactement ça. Ouais. Les mecs, tu vois, ils se galvanisent. Ouais, on a détruit les aliens et tout ça. Ouais, et après l'autre. Oh, il est plus gros que le premier. Totalement d'accord. Et c'est comme dans le premier, dans le premier Star Wars. Le Star Wars 7, ici, avec l'étoile de la mort et la planète. Ouais. Bah là, t'as Dave Goldblum. Oh, il est plus gros que le premier. Sauf que, bon, je trouve que ça passe mieux dans celui-là, ce genre de phrase, en fait. Il se prend pas trop au sérieux, le film. Donc, Mais il assume que c'est la même chose. Hein. Il le dit lui-même. Oh, ils sont là, ça se repasse de ça, c'est de nouveau la même chose. Et même, ils le disent, ouais, il y a 20 ans, on les a niqués, donc on va niquer aujourd'hui aussi. Donc voilà, c'est aussi un truc qui marche bien. C'est le fait d'assumer qu'on est une suite et qu'on reprend la même idée de base, quoi, celle de l'invasion extraterrestre. Et puis, c'est pas un mauvais schéma narratif. Hein. Après, on l'a déjà vu, bien sûr, mais ça, c'est un truc qui est tout à fait honorable. Hein. Après, bien sûr, il faut essayer de sortir un petit peu des sentiers battus. Hein. Vers la fin, ça se barre assez loin. Hein. Oui, là, j'ai vu qu'en fait, ils ont annoncé un troisième volet en deux parties, en fait. Ouais. Donc, oui, après, et puis, surtout quand ils disent à la fin, elle est plutôt explicite, bon, on va aller leur botter le cul dans l'espace, quoi.
c'est bon, ouais, tu t'attends, je sais pas à quoi il va ressembler le film, mais bon, tu t'attends à un truc. Starship Troopers. Non, ouais, Starship Troopers, oui. Ah, mais moi, je voudrais trop voir les humains qui attaquent les aliens. Ils s'en rapprochent de tous les côtés. C'est marrant que tu fasses ce parallèle, parce que je trouve que ça se rapproche, de par la critique, mais de façon un peu, on rigole, c'est grossier, je trouve que ça se rapproche beaucoup d'Independence Day, quoi. Ouais, absolument. Je l'avais vu sur une critique américaine, je me suis dit, oh putain, ça, si les gens avaient plus fait ce rapport-là, je pense qu'ils auraient bien plus apprécié le film. Quoi. Oui, très clairement. Quelque chose à rajouter, vas-y. Ouais, c'était par rapport à la façon dont démarre le film. Je trouve qu'au niveau du rythme, ça marche pas tellement, parce que regarde, par rapport au premier, il prenait vraiment son temps à instaurer la menace avant qu'on ait les premières destructions. Alors que dans celui-là, au bout de 15 minutes, et moi ce qui m'a cassé les couilles, c'est qu'en fait, au bout de 15 minutes, on me balance la plus grosse scène de destruction du film. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que là, la menace, t'as pas besoin de mettre en place. On sait qu'elle est là. Et justement, moi, je trouve qu'elle arrive vachement vide et c'est une bonne chose. Je trouve que c'est surtout pour justifier le fait que eux, ils sont préparés pendant 20 ans, donc ils sont ultra confiants. Ils sont ultra confiants. Tu le vois même à un moment quand ils disent ouais, il y a un vaisseau qui arrive, machin, tu as commencé à être un peu au courant. T'as la présidente qui dit bon, on va faire la commémoration du 4 juillet. Genre, à s'en bat les couilles, quoi, tu vois. Genre, ouais, il y a un truc qui a explosé au loin dans l'espace. Ouais, c'est pas grave, on va faire le 4 juillet quand même, tu vois. Ils sont tellement confiants qu'au final, quand le truc arrive, oui, c'est brutal et ils s'en prennent plein la gueule parce que, à être trop confiant, tu t'en prends plein la gueule, comme je t'ai dit tout à l'heure. Mais ce que je trouve dommage, en fait, c'est que on a cette scène de destruction énorme, mais elle est énorme, tu vois, c'est la plus grosse scène de destruction. Et en fait, quand j'ai vu le truc, tu sais, moi, déjà dans les bandes, je me disais, oh là là, ça va être the scène d'action, tu vois. Mais en fait, j'avais l'impression que c'était gratuit. C'est-à-dire, pour moi, il a un peu ce côté précoce, tu vois, où il veut nous en mettre plein la vue. Mais dès le début, et quand j'ai vu ce ouf, en fait, j'étais en mode OZEF total. Parce qu'en fait, je trouvais ça que c'était gratuit. C'était totalement gratuit. Je trouvais pas qu'il y avait cet aspect grandiose qu'on avait par exemple dans le premier lorsqu'on commençait à exposer les monuments, tu vois. Là, on n'a pas le temps. Comme je te dis, dans le premier, tu vois les vaisseaux tout gentils qui se positionnent au-dessus des monuments américains, bien sûr. Tout gentil, on attend avec la scène du building où les zigotos sont là. Oui, on vous aime, les aliens. Et bim, ils sont éclatés. Là, il n'y a pas le temps. C'est un balourd qui arrive et qui se pose sur la Terre, quoi. Il n'y a pas le temps. C'est comme ça. Par contre, petit parallèle, si je me parlais, là, ce que j'ai bien apprécié, c'est qu'au moins, tu vois la présence de vie quand il y a une destruction. Ça te fait comprendre que les gens, il y a des gens qui meurent. Tu vois pas seulement des objets qui volent dans les airs. Contrairement à, j'avais fait la remarque sur Batman vs Superman. Où à la fin, t'as aucune présence. Il y a tout qui explose. Tu supposes qu'il y a des morts, mais on ne sait pas. Mais là, en fait, ouais, tu vois des gens partir dans les airs, tu sais, voilà, tu te mets à la place, tu sais, c'est vraiment un danger, tu peux pas contrer, il n'y a rien à faire, tu vois, tu es vraiment à la place, tu sais qu'il y a des gens qui meurent, quoi. Voilà. Donc ça m'a plutôt plu. Par contre, c'est là où aussi l'histoire chinoisifie un peu son public. Oui, tout à fait, magnifique. Voilà, c'est totalement ça. Et c'est pas simple à chinoisifier ton histoire, comme tu dis. Il y a deux Chinois qui arrivent et qui parlent chinois. Hein. Bien sûr, évidemment. Non, mais même, ça va plus loin que ça. C'est la Chine, c'est un nouveau public. C'est plus un secret maintenant. Ouais. Et puis là, on intègre des Chinois dans les militaires. Et puis, on montre des catastrophes, pas seulement aux États-Unis et en Afrique, mais aussi en Chine et à Londres. Mais la Chine. En plus, avec un personnage chinois, alors peut-être que l'actrice, la petite chinoise, la petite mignonne, là, elle est peut-être très connue là-bas, je ne sais pas. Elle est chanteuse, je crois, là-bas. C'est Han Xin, je crois, qu'elle s'appelle, ou je ne sais plus quoi. Mais c'est quand même des personnages chinois, dans un contexte plus chinois. C'est pas un hasard, hein. Ils ont pas pris genre un autre pays asiatique, c'est la Chine. Hein. Ouais, mais il suffit de voir le prochain gros film chinois qui sort, ou carrément. Une grosse star américaine qui va jouer dedans, un film chinois. Hein. Donc, je pense que bientôt, en termes de marché du cinéma, les Chinois ils vont commencer à nous sortir des blockbusters à l'américaine avec des grosses stars.
Ouais, alors, petite rectification, c'est pas Anshin, c'est le commandant chinois, donc c'est un homme, rien à voir. L'actrice, c'est Angela Baby. Bon, c'est le pseudo, bien sûr. Ouais. Et les Américains sont pas cons, hein. Ils commencent à se placer avec leurs blockbusters, à avoir d'avoir des contrats intéressants avec eux, et moi, je trouve ça plutôt honnête. Après, ça nous fait bizarre, parce qu'on a toujours vu... les films américains, sans vraiment les Chinois, mis à part en ennemis, là, tout d'un coup, ils commencent vraiment à arriver dans les films. Je trouve que c'est vraiment témoin de son époque. C'est là où le film aussi se place vraiment bien dans son époque, c'est de se placer par rapport aux enjeux économico-politico-culturels actuels. Et c'est là où on peut vraiment dire, celui de 96, il est vraiment ancré dans son temps des années 90, et celui de 2016, il a aussi les particularités de son temps. Je savais que je l'avais déjà vu quelque part, Angela Baby. Ça va plaire à Adon, oui. Elle est dans Hitman Agent 47. Ah bon ? Ouais. Ah si, elle joue, comment elle s'appelle, la voix. Une chinoise. Là. Non, elle joue la nana qui donne l'émission à 40. Ouais. Ouais, bon, elle apparaît 10 secondes dans le film. Enfin bon, chinoise très européanifiée sur le billard. Hein, mais bon, oui. Voilà, ça, c'est Andy, je trouve ça très bien que tu aies rappelé que Emmerich a montré les morts, parce qu'il y a beaucoup de films qui ne nous les montrent pas. Oui. Et là, c'est vrai que maintenant que j'y pense, il y a beaucoup de films d'Emmerich où il nous montre vraiment les gens crevés. Des masses de gens comme ça. Moi, je pense maintenant à Man of Steel qui faisait lever les corps comme les voitures et tout ça, là avec l'espèce de truc gravitationnel. Mm-hmm. C'est vrai que là, on le voit aussi. D'ailleurs, c'est encore un truc de gravitation. Je sais pas ce qu'ils ont avec ce délire là en ce moment dans les blockbusters. Ils aiment ça. Mais moi, je trouvais bien aussi de les montrer à l'écran. C'est pas de la violence clinique, quoi. Non, c'est le coup de la gravitation, c'est pas compliqué. Je dirais qu'il y a vraiment des morts, quoi. Par contre, quand les enfants là qui sont en voiture et ils traversent les décors, là tout d'un coup il y a plus de corps, quoi. Ouais, j'ai pas vu. Non, mais ouais. Coup de la gravitation, c'est aussi parce que les personnes, non seulement elles essayent de fuir, et bien en fait non, elles peuvent pas fuir parce qu'elles n'ont même plus le contrôle du sol, quoi. Donc en fait c'est dans tous les sens qu'elles n'ont plus de contrôle. Voilà, c'est pour bien signifier le truc, tout simplement. Ouais. Je vois pas la scène des enfants. Mais tu sais, à un moment, t'as des enfants qui sont en voiture qui récupèrent le père de David. Ah oui, oui. Et bien, avant, tu vois, ces gens se baladent dans un décor complètement démoli. Ouais, t'as pas un seul corps. Cadavre, ouais. Et il y a juste le père de David accroché sur son bateau. Ouais, exact. C'est génial. Ouais, alors, par contre, un autre petit bémol que je voudrais donner, c'est par rapport à un personnage qui était important dans le premier film et qui, là, donc, est dans celui-ci. Mais dont sa mort est tellement Osef, la mère de Smith. Sa mort est tellement Osef, c'est genre, je sais ce que tu ressens. Après, ouais, c'est oublié. Il y aura peut-être, je sais pas, que dalle. Et surtout, je comprends pas, parce qu'en fait, elle était danseuse exotique. Voilà, et là, tout d'un coup, elle est chef médecin, quoi. Ouais. Attends, elle est infirmière. Infirmière. Mais elle pourquoi elle a un peu vieilli, hein, donc je la vois mal à 45 ans, ou voire bien plus. Oui, mais vous n'avez rien compris, c'est le symbole du rêve américain, tout est possible aux États-Unis. Voilà. Non, mais parce que tu vois, dans ces exotiques, ça fait un peu le vice, tu vois, donc il faut éliminer le vice, parce que nous sommes dans une Amérique morale, voyons. Donc voilà, on préfère en infirmière. Non, mais en plus, what the fuck, en plus useless, genre t'en as rien à carrer, la mort du président, je trouve qu'elle est vachement plus, genre le mec se sacrifie, à part sa fille qui fait un petit signe genre oh, papa, et après c'est terminé et tout le monde son carlefion, quoi. Ouais, mais il a un meilleur speech que la présidente. Ouais. Mais il a encore un speech, j'ai envie de dire. Il a encore un speech. Oui, en plus, oui. Mais tu sens en plus que c'est forcé, ça m'a dérangé. C'est bien. Encore plus forcé qu'il a même plus besoin de sa canne pour faire son speech. Hein. Ouais, il enlève sa canne, c'est le symbole de la France. Mais c'est ça qui est cynique et parodique, et ça, j'ai beaucoup aimé, en fait, tu vois le truc. Ah non, mais j'ai plus besoin de ma canne parce que je suis porté par l'héroïsme, quoi. Ouais, mais alors que c'est un héroïsme qui est méga fake. Et tu dis, ah mais c'est trop marrant à regarder, en fait, ce moment-là, quoi. En plus, c'est un discours qui est vachement bien. Hein. Ouais, mais oui, il est bien le discours. Il est moins marquant que le premier, c'est
C'est vrai qu'il y a présidente... Il n'est pas médiatisé, là. Il parle dans un hangar avec 2-3 techniciens qui sont là en train de régler leurs avions, quoi. C'est pas du tout... C'est le mec déchu, le mec qui parle avec une grosse barbe, on dirait un mec de... Voilà, un terroriste, quoi. Ah non, il avait même plus la barbe, là, quand il a fait... Non, il a plus la barbe quand il se porte volontaire. Là, mais avec le speech, il a encore la barbe. Ce qui est marrant avec ce speech, c'est que de base, il n'était pas destiné à tout le monde dans le hangar. Il parle à Jeff Goldblum, et quand il commence à parler, que les gens, les techniciens derrière le voient, en fait, ils se retournent tous et l'écoutent, quoi. Alors que il est dans le rouleau, c'est juste parce que le mec, il arrive de par sa simple présence, genre tout le monde se retourne, quoi. Alors justement, c'était le discours du président. Attention, c'est l'ancien président. Et l'autre dit mais il faut que vous partiez tout de suite. Ouais, c'est ça. Mais d'ailleurs, ce qui m'a fait rire aussi, c'est que la présidente parle et tout machin. Lui arrive en mode, il était même pas invité déjà. Tu sais, il arrive comme ça. Oh, quelle surprise! Viens, monte sur scène. C'est genre, elle est même pas choquée. Viens, monte sur scène et tout. Et à sa DTKM, vas-y, viens allumer le feu. Vas-y. Le mec, c'est un ancien président. Il a une canne. Tu sens qu'il a un problème. Il a même pas su attacher sa cravate correctement. Mais elle le fait monter. Vas-y, viens. Enfin, nous, on a un président. C'est un héros. En activité. Non, s'il te plaît, s'il te plaît. Arrête. Va demander à Jacques Chirac s'il ne sait pas attacher sa cravate, tu vois. Il va me dire, je me rappelle plus. On va passer sur la réalisation. Réalisation, effets spéciaux, tout ça. Qui veut parler en premier? Allez, Aurel, moi. On t'a pas beaucoup entendu, Aurel. Désolé, Adam. Non, mais. Oui, je peux. Oui, vas-y. Donc, la réalisation, comment dire, moi j'aime beaucoup la réalisation du premier. Donc, le deuxième, il y a de bonnes scènes. J'ai bien aimé, par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est quand ils se battent dans le vaisseau, à l'intérieur du vaisseau alien. J'ai bien aimé cette scène où ils sont dedans et il y a les aliens qui les regardent et puis ils sont repérés et tout, et puis ils commencent à se battre dans le vaisseau alien. J'ai trouvé que c'était une bonne idée de mettre une petite bataille à l'intérieur. Et les effets spéciaux, comment dire, je vais y revenir aux effets spéciaux comme je disais tout à l'heure. Il y en a qui sont bien réussis et il y en a d'autres qui sont moins bien réussis. Et notamment, je trouve qu'avec l'IMAX, ça passe mieux. Je peux même rajouter, il y en a qui servent à rien. Ouais, aussi. J'en ai un en tête, il m'a choqué. Il arrive à la fin quasiment quand la reine. Il en fait trop en fait, je trouve. Ouais, mais vous allez comprendre, quand la reine s'écroule contre le bus. Qu'est-ce qu'ils avaient besoin de mettre en espèce d'effet spéciaux, le sang, l'espèce de gélatine qui coule le long du pare-brise là, qui a éclaté, et genre le petit gars qui aurait mis ses essuie-glaces pour enlever, tu vois. Genre ça fait ultra fake, c'est immonde. Je veux dire, avec tous les effets spéciaux, enfin tout ce qu'on connaît, ça coûtait pas grand-chose de mettre un vrai truc gélatineux qui coule le long du pare-brise et hop, t'essuies tes essuie-glaces. Non, c'est un truc tout fake, tout en image de synthèse, tout moche, et il bouche ses essuie-glaces. Ah ouais, c'était inutile, ça servait à rien. Et je trouve qu'en fait, ça, c'est un des bémols du film. Je trouve ça dommage qu'il n'ait pas mélangé les effets spéciaux modernes et ceux qu'on avait avant, un peu comme a pu le faire, bon, très mal pour certaines scènes, mais comme a pu le faire Jurassic World, tu vois. Parce que je trouve que ça apporte plus de cachet, en fait. Il y a certaines choses, tu n'as pas besoin de mettre ça en image de synthèse, on a tout ce qu'il faut. Pour le faire. J'ai l'impression qu'en fait, les mecs, on en marre de ça. Et qu'à partir du moment où ils commandent des trucs, des effets spéciaux sur ordinateur, eh ben, vas-y, fais tout sur ordinateur, on va pas se casser les couilles, tu vois. Et je trouve ça un peu dommage, en fait. Surtout que ça aurait pu être fait, ils avaient les moyens pour le faire, sans utiliser des images de synthèse, voilà. Oui, en plus. Alors ça, c'est pas si sûr, hein, parce que. Si. Bah, oui, tu prends le slide de SOS Fantôme, c'est bon, tu peux le faire, tu vois, je veux dire. Non, des fois, à l'époque, il y avait les maquettes, mais à l'époque, ça coûtait moins cher de faire les maquettes. Aujourd'hui, c'est pas si simple de faire que des trucs. Aujourd'hui, les effets spéciaux, faut pas croire, mais au niveau rentabilité, s'il y a tant de fois des effets spéciaux et moins des maquettes ou moins des trucs faits avec des objets, c'est pas un hasard. C'est parce que... Et du coup, ça coûtera plus cher. Oui, il y a des possibilités. Parce qu'il y a moins de spécialistes, il y a moins de compagnies qui le font. Donc, c'est pas forcément mieux fait. C'est pas forcément mieux fait aussi, hein. Ah, bah, ça dépend des films, forcément, mais bon, pour celui-là. Non, mais celui-là, je trouve qu'il a des effets spéciaux corrects. Moi, je trouve qu'il est correct. C'est démesuré. C'est très détaillé. C'est démesuré, ces effets spéciaux. Il en fait trop. Il en avait fait voir dans le premier.
Ouais, mais dans le premier film, tu vois, il nous éblouissait, on était sur le cul, on voyait, voilà, il détruit la maison Jans, il détruit le Chrysler Building. Là, il dit, là, je vais en mettre plein la gueule aux spectateurs, je vais détruire carrément en mettant de plus grosses explosions. Je vais utiliser le max de CGI pour leur en foutre plein la gueule. Résultat, autrement. Comment vous-tu faire autrement? Bah non, en même temps, ouais, je suis d'accord, tu peux pas vraiment faire autrement, quoi. Comme avec le scénario, on a dit le scénario, c'est un plus gros vaisseau qui arrive. Je vois mal faire une maquette qui se pose sur la Terre avec tout autant de destruction. Là, je veux dire, tous les films apocalyptiques un peu comme ça, avec des scènes de destruction massive. Tous les films qui sont sortis ces dernières années, c'est tous genre qu'en effets spéciaux. Tu peux pas faire autrement. Mais je trouve que c'est exagéré quand même. C'est pour ça qu'il n'y en avait pas vraiment avant. Bien sûr que c'est exagéré, mais bien sûr. C'est juste. Oui, c'est exagéré, mais si tu regardes bien, parce que tu compares au premier, si tu regardes bien les scènes de destruction du premier, certes, oui, il y a moins d'effets spéciaux comme ça, mais la destruction est très localisée. Ça reste sur un endroit, dans une rue, quelque chose. Là, on voit carrément une ville s'envoler comme ça, quoi. Mm-hmm. Et je pense que c'était pas faisable avant. C'était même aujourd'hui, hein, c'est assez difficile de faire ça autrement. Tu peux pas faire ça autrement. Oui. Le mec a passé tous les années 2000 à détruire le monde en numérique. Il a travaillé sur le mouvement des bâtiments, sur la façon dont on pouvait faire des trucs spectaculaires. Je vous renvoie au porte-avions Kennedy qui s'écrase sur la Maison Blanche dans 2012. Je vous le voyais pas du tout revenir à de la maquette qui contraint énormément les mouvements de caméra, ce que tu peux y faire pour Independence Day. Il devait y avoir bien sûr des concept arcs en plastique. Je parlais plus, tu vois, par exemple pour les aliens ou les trucs comme ça. Les aliens aussi. Quand tu vois la scène avec l'alien dans le laboratoire, ils avaient une dizaine de copies de l'alien en maquette pour faire leurs divers plans. C'est super contraignant, ça a coûté une blinde. Alors là, avec le numérique, bien sûr, ça fait plus fake, mais là, ils pouvaient faire beaucoup plus de choses avec eux. L'exemple pouvait plus, c'est que tu le vois de plein pied, l'alien, voilà, exactement. Voilà, et tu pouvais faire plus de mouvements, en fait. Ouais. Dans le premier, ils étaient assez rigides, mais après, ce que je lui reprocherais en termes de réalisation, en fait, c'est sa mise en scène que je trouve extrêmement lambda, parce que quand je regarde ce film... Et quand je vois la mise en scène et ainsi de suite, j'ai l'impression d'avoir vu ça dans plein de films, que ce soit par exemple en termes de science-fiction. Il y a beaucoup de trucs, j'ai vu ça dans, par exemple dans les Star Trek de J.J. Abrams. Mais est-ce que tu t'es pas dit, Adam, que les trucs de Star Trek et tout ça, ça vient des films de Roland Emmerich, justement? Bah oui, certainement. Le jour d'après, Independence Day. Emmerich, il est à la base de quelque chose, Adam. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça n'a plus le même effet que, par exemple, à une époque, quand Emmerich commençait, parce qu'aujourd'hui, on voit ça partout, presque, dans les blockbusters, que moi, devant ce film, j'ai ébloui par les scènes de destruction, ainsi de suite. Oui, mais pour moi, est-ce que tu trouves que c'est... En fait. Est-ce que c'est mal fait, alors? C'est différent, ça. Parce non, que c'est pas mal fait. C'est pas iconisé, je trouve. C'est pas marquant. Adam, peut-être que... Parce que moi, je suis d'accord avec toi, j'ai pas été emporté par ces scènes d'action, mais peut-être par un point important, c'est que j'ai pas été investi parce que j'étais pas avec les personnages. Il y a un moment où justement la scène de destruction m'a fait quelque chose, c'est quand elle menaçait le père de David, qui était au téléphone avec son fils, et tu dis « Ah non, ils vont pas faire mourir le père !» Alors là, tout d'un coup, la scène d'action, elle peut t'emporter, parce que tu t'en fais pour les personnages. Et c'est peut-être justement ce manque d'affect pour les personnages qui sont mis en danger dans ces scènes de destruction, qui te font en fait, qui te donnent une impression de scène de destruction un peu lambda et tu passes à côté. Éventuellement, tu n'as pas été investi par les personnages. Je vais aller dans ton sens, Valérian, parce qu'on aurait pu être investi aussi par la mort de la mère de... Ouais. Enfin, tu m'as compris. La mère de Dylan, merci. Mais le problème, c'est que là, en l'occurrence... Les effets spéciaux, ils sont pas vraiment là, étant donné que tu as un plan du dessus où on la voit un peu de proche, et le seul truc, c'est on la voit tomber, on voit un bâtiment qui s'effondre, on la voit tomber, et c'est très court. Tu sais qu'elle va mourir, tu sais qu'il y a un danger, mais t'as pas le temps d'apprécier les effets spéciaux et le danger
avec cette scène-là, tandis comme tu dis avec le père, t'as tout le temps de le suivre avec la grosse vague derrière. Ah non, mais c'est surtout le coup de téléphone avant, voilà, exactement. En fait. Quand tu avais, oh, où tu es? En fait, là, je le vois. Ah ouais, en effet, t'as raison. Il est beaucoup plus grand. Et l'autre, il dit, dégage tout de suite de là. Tu vois, moi, je me suis dit, oh putain, il faut que le père, il survive. En plus, il a le petit drapeau américain sur le bateau. Vraiment, tu vois, c'est énorme, quoi. Par contre, je sais pas si t'as remarqué, contrairement au premier, il n'y a pas de signe religieux. On sait que tous deux sont de confession juive. Ouais. Mais dans le premier, il mettait sa petite kippa, il priait et tout. Même après, tu voyais des prêtres qui priaient avec les Bibles et tout. Et là, dans ce film-là, bah, j'en ai pas vu. Ouais. Il y a juste David qui dit Oh my God au début. Oui, Oh my God, c'est tout. C'est pas. Enfin, c'est pas... Il dit Sweet Moses. Enfin, il dit Sweet Moses. C'est presque logique, dans le sens où là, tu vois une population qui va peut-être raisonner par, bah, par raison. Si le monde aujourd'hui vivait par raison, il n'y aurait plus de religion. Donc là, les gens ont une autre pensée, tu vois, ils n'ont pas forcément la religion en tête. Il faut d'abord se protéger au lieu de avoir des contraintes de ci, de ça. On ne faut pas installer tel truc. C'est montrer que les gens sont unifiés, en fait. Non, mais les gens peuvent être unifiés sur la religion. Il y a plein de différences qui sont assez marrantes. Dans le premier, tu avais beaucoup de gens qui s'entraident les uns les autres. Par exemple, avec la scène où ils ramassent, ils prennent un vieux camion de pompiers, ils font le tour de la ville pour ramasser les blessés et tout. Et là, en fait, dans celui-là, bah, t'as l'inverse presque. À part les petits jeunes qui aident le père de David, t'as le père de David qui va trouver des gosses qui ont été abandonnés par le chauffeur de car qui voulait baiser une meuf avant la fin du monde. Mais même la blonde, hein, même la blonde, elle voulait pas du père de David au début. Hein. Elle dit « Ouais, on s'en bat les couilles, on continue, tu vois. » Ouais. Je sais pas, c'est peut-être... À un moment, tu sais, quand j'ai vu ça, je me suis dit « Est-ce que ça serait pas une critique de... Je sais pas, de la jeunesse d'aujourd'hui, de la société. » Voilà, ouais, c'est une nouvelle génération. Génération de merdeux. Qui est gros. Bah non, je m'étais dit ça. Voilà, mais après, est-ce que c'est ça? Peut-être, je ne sais pas. Mais la réalisation est pas. Moi, je mettais un bémol. Et un truc qui m'a gêné, par contre, il y a certains plans. Alors là, par contre, j'ai pas supporté. T'as des plans qui sont censés être les plans d'Happy End où ça iconise les personnages, genre on est content, on sourit. Donc on focus sur les personnages et derrière, évidemment, bah, t'as des effets spéciaux. Par exemple, t'as la reine derrière, donc t'as un fond vert. Et j'ai trouvé que ça avait extrêmement fake, extrêmement. Tu sais, un peu, c'est comme ces vieux plans de série où t'as le plan derrière qui est flouté mais très mal fait. Tu vois très bien que ce sont des effets spéciaux et qu'un fond vert, c'est flouté avec le zoom sur les personnages. Je me dis, non, mais on est dans une série, on est dans Défiance, dans Stargate, dans Stargate SG-1. Je me dis, ces plans-là, ils font pas film, quoi. Ils font pas film du tout. Bon, il y a peut-être un aspect jeu vidéo presque voulu, de façon à montrer un personnage qui est de toute façon pas de notre monde. Après, c'est sûr, on aura pu mieux que faire. Hein. Mais Andy, tu es dans le vrai, puisque le monteur de ce film-là, c'est un monteur qui a eu une carrière principalement en télé. Ah bah ouais, ça vient peut-être de là. Sûrement en façon de narrer. C'est vrai que des fois, c'est pas folichon. Bien sûr, c'est pas lui qui choisit le cadrage, mais c'est aussi celui qui choisit. Surtout ce genre de plan, ça peut être vite fait en studio. Hein, à la demande du monteur pour narrer telle ou telle chose, ça, tu fais le tour de la salle d'à côté, tu mets un mec, tu l'habilles en tibétain, et puis voilà quoi. T'as le fond vert derrière, et c'est bon. Hein. Ça, c'est très vite expédié. Hein. Ouais. Sinon, parce que le sens du cadre, ouais, c'est plutôt bien recherché. Il n'y a pas de. Enfin, clairement, Emmerich, il n'y a pas une volonté de faire une grammaire cinématographique. Chose qui était super amusante, c'est que le directeur de la photo, c'est un super tout jeune. C'est un mec qui a commencé en 2012, je crois, sa carrière. Il n'a pas commencé avec... C'est un mec qui a 30 ans. Il a pas commencé avec... putain, merde. Le mec qui a fait Godzilla, la monstre, là, le premier film. Là. Comment ça s'appelait son premier film? Ah, c'était Gareth Edwards qui avait monté mon... Le directeur de la photographie, c'était qui? Non, là, le directeur de la photo de celui-là, c'est Marcus Forderer. Il a fait des films indépendants de quoi 2000, là, il a, enfin, le moyen métrage, c'est 2011, Elle, et après, il a fait des petits films indépendants. Il se retrouve directeur de la photo d'Independence Day Résurgence, là. Ouais. Je trouve que c'est assez surprenant. Alors, ils avaient tourné en 4K, c'est quand même des trucs assez monstrueux. Je trouve que le film est quand même assez beau. Oui, il est beau. Il est très détaillé. Après,
Après, je me demande souvent, je ne sais pas si vous avez la réponse, mais je me demande souvent, quand ils font des effets spéciaux, est-ce qu'ils font vraiment venir le directeur de la photo ou ça fait partie de la direction artistique des effets spéciaux pour les couleurs, les teintes de couleurs et tout ça? Je pense que maintenant, il se casse même plus la tête. Je serais d'avis de dire que le directeur de la photo, il est plus là au montage pour dire, vas-y, tu mets une teinte un peu comme ça pour que ce soit un peu meilleur. Et voilà, je pense pas qu'il soit là avec le directeur des effets spéciaux à dire, oh, faut mettre de telle couleur. Je pense que chacun a son truc et lui, il va plus être là pour dire, ouais, un petit fond un peu bleuté serait mieux que. Je suis plus de cet avis-là. Après, je sais pas si je m'égare, mais. Pour ce genre de film, en tout cas, ouais, c'est sûr. Ouais. Par contre, ça montre aussi qu'il y a vraiment, encore une fois, ce film-là montre aussi une évolution dans la façon dont on fait les films maintenant. Oui. Mais c'est pour ça que les deux films, là, le premier et le deuxième, dialoguent même dans leur construction, dans la façon dont ils ont été faits. Là, ces derniers temps, étant donné que voilà, la suite est sortie, il y a plein d'articles qui ont popé un peu partout, surtout chez les Anglais, qui parlent des effets spéciaux du premier Independence Day. Et même dans le premier Independence Day, il y avait beaucoup d'effets spéciaux par ordinateur pour les boucliers, pour créer les petits vaisseaux des humains, les incrustations. Il y avait beaucoup. Il y a enfin, en même temps des idées assez géniales pour les vagues de flammes, enfin des trucs assez dingues. Les mecs, ils avaient des idées à l'époque et tu vois maintenant, c'est vraiment très différent la façon dont on crée les scènes d'action, de catastrophes. Et en cela, même le film a un intérêt à être vu pour voir en fait la différence avec le premier. Ouais. Moi, je voudrais revenir sur trois trucs pour les effets spéciaux. Le premier de ces points, c'est le premier plan. Le premier plan du film, c'est on se balade dans l'espace avec le discours du président. Et là, je sais pas si c'est une faute de goût ou c'est juste que les mecs, ils ont fumé la moquette. C'est l'image du président dans l'espace, là. T'as des images du... Attends, on dirait Mathieu Blom, là. Je savais que t'allais dire ça. Non, mais attends. Non, mais en plus, attends. Mais c'est encore plus fou. Ce sont les images de la fiction du discours du président. Ouais. C'est-à-dire des images qui n'ont jamais été mises à la télé ou quoi que ce soit dans la fiction même. C'est-à-dire que les aliens, ils ont capté le film Independence Day. T'as le gros plan du président du film qui se balade dans l'espace. Non, mais oui, voyons, mais c'est génial comme idée. T'as pas compris, Valérian. En fait, les aliens, comme ils peuvent rentrer en contact avec le cerveau humain, ils sont rentrés en contact avec un humain qui était sur place et ont enregistré de par son cerveau. Voilà, le discours qui a été retransmis dans l'espace. Non, je déconne. Mais ils étaient liés. Hein. En vrai, c'est un détail intéressant, ça, la connexion aux humains. Mais c'est presque ça, c'était très intéressant. Mais c'est presque le contrat de base qui est assigné dès le premier plan. Tu vois déjà le côté tout absurde du film dès le premier plan. Et si tu acceptes ça, après c'est bon, tu accepteras tout ce qui se passera dans le film, quoi. Mais je trouve que c'était plutôt amusant de nous le montrer dès le premier plan, un espèce de truc, tu dis what the fuck. C'est la première Emmerich, hein. C'est dit. C'est-à-dire qu'il te dit, voilà, c'est what the fuck, voilà, ce que tu as dit là, beaucoup de gens ont dû remarquer, enfin, peut-être pas. Bizarrement, ça m'a pas choqué plus que ça, moi. Non, mais je pense que ça nous a pas choqué, ça n'a choqué personne. C'est juste que. Ouais, enfin, ça m'a pas dérangé. Ce que va être le film, quoi, et un peu. On va les envahir de nouveau, mais en plus gros. Par contre, il y a un truc où je mets un gros point positif, c'est sur la recherche du design du vaisseau et surtout la manière dont on le montre posé sur la première planète et sur la Terre par la suite. Et j'ai trouvé vraiment, alors vous me dites si je me trompe, et ça, je trouvais que le design était vachement inspiré d'un insecte type genre une tique, tu vois, qui est posé sur quelqu'un et qui va pomper le sang. Ben là, c'était un peu la même chose, sauf que c'est posé sur la planète et que ça, son but, c'est d'aspirer l'énergie au centre de la planète, quoi. Dans Evangelion, je crois que t'as ça aussi, hein, un personnage qui va aller dans la Terre. Enfin, t'as dans plein d'œuvres, hein, mais c'est un exemple qui me paraît parlant là-dessus. Je trouvais par contre qu'il y avait certaines textures, particulièrement pour le petit vaisseau de la reine, des textures du métal extérieur. Ouais, ils sont pas fatigués, j'ai l'impression. Là, je trouvais que c'était dégueulasse. Quand t'as la lumière qui frappe en fait la surface du petit vaisseau, il y a des plans, particulièrement quand le vaisseau se détache du grand vaisseau pour aller. Alors là, je trouvais que la lumière qui donnait sur la texture du vaisseau était dégueulasse. Bah, autant ça avait l'air de faire années 80. C'était affreux.
Mais le premier, pourtant, les vaisseaux étaient super détaillés. Tu voyais des espèces de tuyaux, des trucs, des machins. Et là, t'as l'impression que bah, c'est une forme un peu lisse, granuleuse, je sais pas. Et il y a un truc qui m'a fait rire aussi au niveau des textures. C'est au début du film, là, quand ils escaladent le vaisseau en Afrique avec une pente à 60 degrés. Mais eux, ils sont normales avec leur lampe torche. Et montent normal, tu vois. Tu as un petit plan, vite fait. La pente, enfin, c'est le pied du vaisseau, en fait. Et quand ils descendent, ils descendent en ski. Oui, on l'a pas vu. Il faudrait un espèce de truc où tu montes en rappel. Bah ouais, il faudrait monter en rappel ou descendre. Tu sais, le mec, il fait, vous avez pas de vertige. Donc moi, je m'attendais à, je sais pas, ils vont y aller en hélicoptère ou avec des grappins. Non, non, ils sont là sur une pente à 60 degrés et ils montent normal avec leur petite lampe torche. J'ai fait, ok, normal, tout va bien. Le dernier point pour les effets spéciaux, c'est un truc que j'avais lu, c'est qu'au départ, Dubaï devait tomber sur Paris, mais avec le novembre 2015, ce qui s'était passé au Bataclan, ben, ils ont changé les effets spéciaux ben, pour que ça soit Londres à la place de Paris. Selon Emery, il disait que les Anglais pouvaient l'encaisser. D'ailleurs, j'ai vu en parlant de Paris. Pareil, par rapport à l'affiche et tout, j'avais vu un article aussi, dont normalement Paris devait être entièrement détruite. Et en fait, au final, c'est pour ça qu'il reste que seulement la Tour Eiffel, parce que c'est vraiment le symbole de Paris. Et au final, il a décidé de pas l'enlever, quoi, de pas la détruire, en fait. Et c'est l'affiche principale du film où tu vois genre l'affiche française, du moins, où tu vois la Tour Eiffel qui part en lambeaux. Quoi. Ouais, mais c'est bien aussi pour les effets spéciaux, c'est que tu peux corriger assez rapidement quand même s'il y a tout d'un coup des événements qui demandent de corriger des effets spéciaux, alors que tes maquettes tu les auras complètement faites, voire même des rues entières ou des trucs comme ça, et après tu dis bon bah il faut tout détruire parce que on pourra vraiment plus rien faire, et ça fait des millions et des millions qui part en fumée, et tu n'auras même pas l'occasion d'utiliser. Alors qu'avec le numérique, tu as juste à changer des modèles 3D et ça va, tu peux gérer le truc, quoi. Ouais. Par contre, ce qui m'avait fait beaucoup marrer, justement, justement, on voit toutes les villes, et genre pour chaque ville, on va mettre le monument, c'est représentatif de la ville. Et moi, mais dans la salle, j'étais mort de rire. Alors, t'as Paris qui est tout dévasté. Un truc qui est resté debout, c'est la Tour Eiffel. Alors ça, avec quatre pédos qui sont au niveau d'un pied, ils doivent être au niveau de la butte Montmartre, tu vois. Et ils sont là, ils font ouais. Non, mais de toute façon, t'as ça dans tous les films. Hein. Enfin, ouais, les premiers Independence Day, t'avais le vaisseau qui se crachait juste derrière les pyramides, quoi. Ouais. C'est vraiment plus ce que j'aurais fait. Et on ne parle même pas d'Armageddon. Hein. Armageddon, quand on montre les pays étrangers, je vous rappelle la France, c'est des mecs avec des bérets, des moutons et le Mont Saint-Michel derrière. Hein. Donc, Tiens. On va passer sur la musique ou les personnages. Allez, les personnages. Allez, on passe sur les personnages. Qui veut commencer? Bon, Aurel, tu vas commencer, Aurel, allez. Allez, ouais, on y va. Mais j'ai personnage bien aimé acteur, retrouver Jeff Goldblum, parce qu'en fait, c'est le personnage que je préférais dans le premier film. Mais j'ai été déçu quand même de ne pas voir Will Smith, parce que c'est ce qui donnait aussi beaucoup de force au premier film. Et puis j'ai bien aimé le personnage joué par Charlotte Gainsbourg. Ça fait du bien de voir une autre actrice française que Marion Cotillard dans un film américain. Et je trouve que SD démerde plutôt bien dans un blockbuster de ce genre. Bon, et pour ce qu'elle fait, franchement. Pour ce qu'elle fait, ouais, elle est un voilà, peu. Voilà, ouais, non, mais c'est Omar Sy dans X-Men. Ben, c'est pas extraordinaire, mais je trouve que. Enfin, non, moi, j'ai c'est la première fois qu'elle le fait, quoi. Donc, et je trouve que SD démerde plutôt bien. Quoi. Première fois qu'elle fait quoi Attends, première fois qu'elle fait quoi? Qu'elle joue dans une production comme ça, non? Voilà, c'est dans une production américaine, ouais. C'est absolument fou. Blockbuster, non. Ah non. Elle avait joué dans quoi d'autre? Blockbuster, oui. Blockbuster, peut-être. Mais en tout cas, production américaine, pas du tout. C'est une actrice franco-britannique qui a déjà joué avec des grands réalisateurs étrangers. Ouais, il y a quelque chose qui m'a un peu plus choqué que Charlotte. Ouais, mais enfin, dans un blockbuster de ce genre, elle a jamais joué, quoi. C'est vraiment... Ah non, mais comme ça, oui. Ah oui. Avec voilà. Charlotte Gainsbourg, il y a des trucs qui sont plus marquants. Par exemple, elle parle très bien anglais, elle a un accent qui est quasiment réprochable. Et d'un coup, comme ça, tu sais pas pourquoi, elle va parler avec un accent français. Genre à la fin, elle dit, je sais plus ce qu'elle dit, elle parle français limite, et avec un accent français. Hein. Non, elle dit enchanté. Je crois qu'elle dit enchanté, elle dit enchanté en français, tu vois. Je l'ai vu en VO, j'étais choqué, elle dit enchanté. Ah, quoi. Bah moi je l'ai vu en version française. Ah, bah je l'ai vu en VO, à la fin, genre, elle parle. Voilà. En fait, donc ça va pas choquer plus que ça. Ils vont pour s'embrasser, tu vois, ils vont pour s'embrasser et tout. Et lui, il fait, ouais, tu me présentes pas, qui c'est? Et l'autre, elle se présente, elle dit enchanté, my name is.
Tu vois, genre avec un accent de merde comme je viens de te faire, tu vois. Elle s'appelle What Marceau, je sais plus comment. Ouais, ouais. Catherine Marceau. Catherine Marceau, ouais, voilà. Ah, je vais chercher. Ouais, on aime bien Sophie c'est... Marceau, on va l'appeler Catherine. Ouais, la Catherine de l'air, Sophie Marceau. Ouais. Tiens, en parlant de Charlotte Gainsbourg, moi, quand ils ont quand même annoncé qu'elle jouerait dans le film, moi, je m'attendais, parce que, bon, ça parle du temps, je pense à Antéchrist, Nymphomaniac, et on me dit, Charlotte Gainsbourg va jouer dans Independence Day. Moi, je me dis, Independence Day, des aliens avec des tentacules. Oh, 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 oh. Oh là là. Je vais pas faire ça, les gars. Et mais moi, les gars. Mais moi, ouais, je m'attendais à ça. La vérité, je m'attendais à ça. Je m'attendais à un gangbang. Vas-y, Aurel, continue. Et après, les personnages que j'ai pas du tout supportés, c'était Liam Hemsworth, non ? Cette fois, je me trompe pas. Et l'acteur qui joue Dylan, alors je sais pas comment il s'appelle, par contre. Jesse Usher. Acteur noir, numéro 75. Jesse Usher. J'ai pas supporté ces deux personnages, ils dégagent aucun charisme. Il y a un gros problème avec ces deux personnages, je trouve. Ah mais oui, mais ils sont super mal écrits. Et surtout, je trouve qu'ils sont échangés. Je m'explique. Jesse Usher, c'est le père c'est le fils du personnage que jouait Will Smith. Mais au final, t'as l'impression que le remplaçant réel de Will Smith, c'est Liam Hemsworth. Il fait je pilote super bien, j'attrape la gonzesse à la fin. C'est le rôle de Will Smith dans le premier, le mec. Hein. Oui, c'est vrai que... Personnage archétypal, beau gosse. Ouais, oui, c'est ça. Hollywood, hein. Quoi. Alors que du coup, bah, pour le coup, son fils, il est beaucoup plus effacé. Le mec, ouais, c'est juste le fils d'eux et c'est tout. Ça veut ça. Non, c'est ça, c'est le fils d'eux et il fait pas grand... Enfin, il a de l'action, mais au final, il est toujours au second plan par rapport à Liam Hemsworth ou aux autres personnages, je trouve. Mais bah, tu vois, il est jeune. Parmi les jeunes, il y a Hemsworth, il y a Usher, et il y a celle qui est moins connue que... Enfin, Jesse Usher, je ne connaissais pas non plus, mais Micah Monroe, là, celle qui joue... C'est la fille du président. Et bah, je trouve qu'elle a des classes. Bon, pour ce qu'elle fait comme dialogue, comme les autres... Non, mais par contre, un truc qui me fait rire... Alors, ça, par contre, c'est totalement what the fuck. Donc, c'est la fille du président. Ouais. Elle travaille avec la nouvelle présidente, je ne sais même plus c'est quoi son rôle, je crois qu'elle est une espèce de secrétaire d'État ou un truc comme ça. Ouais, et d'un coup, ah ouais, en fait, je sais piloter les vaisseaux. M'a choqué ça aussi, moi. Après, tu pouvais faire le raisonnement, son père s'est piloté, donc elle s'est pilotée. Mais enfin, c'est bon. Peut-être parce qu'elle a appris à piloter. Elle a fait une relation avec les deux autres. Bah oui, elle était avec. Tout d'un coup, elle s'est pilotée, quoi. Mais après, même si elle a fait la formation avec les deux autres, c'est ça qui est un peu dommage, c'est que du coup, t'as plein de personnages, comme on disait tout à l'heure, qui ont beaucoup trop d'importance, ils sont un peu partout. Donc elle a la Maison Blanche, un coup, elle est pilote. Enfin bref, c'est un peu bizarre. En même temps, Andy, juste, on se centre sur des personnages intéressants, c'est un peu logique se centrer sur le mec qui récupère les chiottes du président. Enfin, ça bah paraît, si, le majordome, mon pote. Et on en a fait un film, mon gars, il est très bien. Et encore, bien, et encore, c'est difficile. Charles, on se concentre quand même sur un putain de comptable administratif qui devient un super guerrier. Ce mec-là est aussi chiant que l'espèce de copain de Liam Hemsworth. Hein. Et c'est surtout... Tu sais, cette espèce d'administratif là, qui suit Jeff Goldblum, qui à la fin, là, es devenu un vrai guerrier, alors que le mec, c'est juste une pauvre lopette. Mais moi, ce mec-là, j'ai pas pu supporter. Hein. C'est surtout Valérian que lui, il arrive comme ça, en mode d'un coup. Ah ouais, hein. C'est-à-dire que pendant tout le début du film, il est casse-couille à parler de ses chiffres. Je vais augmenter votre budget, je vais descendre votre budget, machin. Et au bout d'un moment, il va voir le guerrier, là, le chef de la tribu, là. Il lui dit, vas-y, donne-moi un sabre et entraîne-moi. C'est que le mec, en fait, il se rend compte non seulement que son métier ne sert à rien, mais que sa fonction de personnage ne sert à rien, parce que personne dans la salle ne rit à ses blagues. Donc le mec, en fait, il veut changer de fonction. Ouais. Donc en fait, tu vois, c'est un personnage méta. Oui, c'est un peu ça, ouais. Et d'ailleurs, en plus, le mec était devenu un vrai guerrier, mais au final, un vieux scientifique qui a fait 20 ans de coma, il sort du coma, il défonce autant d'aliens que lui, et pourtant, c'est pas un guerrier, tu vois. Oui. Ça m'a fait rire aussi. D'ailleurs, la scène de la mort, par contre, on en parle, c'est suggéré, je trouve ça gentil, ils sont homosexuels, les deux. Oui. Connaissant Roland Emmerich. Oui, quand il s'appelle Mon Lapin, je pense que oui. Ouais. D'ailleurs, ce qui me plaît, c'est des gros vieux clichés de... t'sais, tu penses qu'il va lui dire un truc important avant de mourir, et le mec, il lui dit... Bah, c'est Roland Emmerich. De base que t'as autour du cou, ça devait être un pull.
C'est les seuls personnages qui m'ont fait rire, hein, parce qu'ils m'ont rappelé le premier, mais sinon le reste, ben, pas de réplique. Pour moi, le Dr Okun, c'est un peu comme le personnage de Bernard Farcy dans Taxi. Je trouve mais vraiment, je trouve cette comparaison. C'est le personnage qui est risible, mais qui de tout d'un coup, alors que tu t'y attends pas du tout, commence à prendre de l'importance et à essayer d'être badass. Parce que je me rappelle, je sais plus dans quel numéro de Taxi, à un moment, t'as cette espèce de commissaire là, tu t'en fous, mais il commence à prendre trop d'importance à l'écran. Et je trouve que c'est vraiment le même traitement avec le Dr Okun. Mais le gars, au bout de 20 ans, le gars est normal, il marche, il court, il répond. En grattant les fesses. Il parle en mode normal, tu sais. Genre, je me suis réveillé. C'est qu'on dirait qu'il a fait une sieste. Ce genre de mission off, en fait, c'est un jouet. Le mec, il a fait une sieste et tout normal, quoi. C'est Buzz Gaker on. Hey, vers l'infini et au-delà. Ouais, bah après, c'est le film qui veut ça, on s'attarde pas. Oui, voilà. Voilà, ouais, c'est vrai qu'il y a plein de détails. Si tu t'accroches aux détails dans ce film, il y a plein de trucs qui sont ultra gênants. Mais Et je trouve que ça fait du bien de voir William Fichtner qui fait autre chose que Tortue Ninja et consorts, truc bizarre. Regarde, William Fichtner, bon, qui devient président par intérim. Enfin, ce qui est marrant, c'est bon, bah, comme les 8 autres postulants sont morts, bah, vous devenez président, tu vois. Ouais, je trouve qu'il a pas tellement d'intérêt que ça. Enfin, il est assez effacé. Parce que même quand il est militaire, ça change quelque chose. Quoi. Par contre, on en parle du contexte politique par rapport. Parce que moi, je trouve pas ça anodin. Je pense que c'est pas anodin d'avoir choisi une présidente au début du film. Bah, tu sais, au début des années 2000, on faisait des présidents noirs et des femmes déjà. Là, c'est toujours été une volonté. Non, mais je trouve pas ça anodin de par les élections qui arrivent. Je trouve pas ça anodin. N'oublions pas que c'est une présidente qui se fait buter. Hein. Oui, qui meurt. Hein. Elle se fait buter par une force extraterrestre. Donc, bon. Ouais, mais elle meurt quand même. Elle fait des speeches pas inspirants. Hein. Faut dire que l'actrice est jolie. Hein, mais c'est peut-être un oracle. Hein, peut-être qu'Hillary Clinton, elle va passer. Que, bah, ouais, et après, tu vas voir. L'attentat Daesh, elle va mourir. Tu vas avoir Bush qui arrive sur le podium et il y a tout le monde. Ouais, Bush. Bush sur un cheval en mode cowboy, tu vois, qui va arriver, tu vois. J'offre des bacon à tout le monde. C'est dommage parce qu'elle était très bien dans Les Experts. Je sais plus qui est Les Experts. Elle était très bien. C'est pas criminel qui a joué, non, plutôt. Je me rappelle pas avoir une. Non, dans Les Experts New York. Elle est dans Gone Girl. Et dans Dr. House aussi. Ah ouais, Les Experts de Manhattan, elle joue, exact. Manhattan, ouais. New York, c'est pareil. Enfin bref. Mais du casting, ça va du moyen au banal, quoi. Alors justement, le casting, alors il y a beaucoup de critiques qui s'en sont plaints, on n'en a pas encore parlé. Est-ce que ça vous a gêné? Trop de personnages. Moi j'ai fait le compte, on en a pratiquement le même nombre que le premier. Ouais, en fait. En personnage identifiable, je veux dire. Ouais, non, moi j'ai pas trouvé ça gênant, mais ouais, je pense que ce que les gens sont gênés, bah, déjà, parce qu'ils ont pas de repères, parce qu'il y a des nouveaux personnages. Et en fait, t'as beaucoup de personnages qui sont là pour être là, en fait. Ouais, un peu passif, un peu trop témoin. Exactement, ouais. Alors que dans le premier, t'as des personnages qui pourraient être toi et moi, qui sont censés être témoins, mais qui vont se bouger pour essayer de rendre service. Ouais. Même à leur petite échelle, ils vont faire quelque chose. Bah, par exemple, la mère de Jesse qui va prendre le camion, qui va essayer de sauver des gens et tout, voilà. Et là, ouais, il y a beaucoup trop de personnages qui sont témoins ou qui ont une action à la fin, comme la fille du président qui va prendre d'un coup un avion et qui va se battre juste à la fin, ou le fils qui est censé être l'élite des pilotes et au final, tu ne vois pas faire grand-chose en fait. Il est là, mais il n'est pas là. Tu ne l'as pas vu faire quelque chose de transcendant, tu vois. Lui, il est totalement éclipsé par le personnage de Liam Hemsworth. Et le président qui, lui aussi, est un témoin… Par ses manipulations mentales, là, au début, il voit des trucs, mais en fait, on s'en fout. Et, parce que c'est ça, on essaie de teaser un truc, je vois des visions. Mais en fait, ces visions, mais on s'en tape, mais d'une puissance. C'est pas pour vous. D'ailleurs, on s'en tape, mais les extraterrestres sont au contrôle sur certains humains. Donc, c'est pour bien montrer que, ils manipulent certains humains, dont le Dr. Okun. Enfin, ils manipulent pas tellement, ils sont plutôt en relation, je dirais. Il n'y a pas de manipulation, parce qu'au final, les visions qu'ils ont, c'est la vision de ce dont quoi les extraterrestres ont peur, à savoir la sphère, tu vois. Donc, si les extraterrestres contrôlaient vraiment les humains, voilà l'arme qui peut me détruire, tu vois. C'est un peu, je trouve ça un peu bête. Mais depuis Grimmburg, ça faisait un peu, tu vois, le Mordor dans le Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire que t'as une bataille qui se déroule dans un lieu, et là, on sait où la boucle blanchée, on faut qu'on aille là-bas, en fait, on va changer de lieu. Ouais, c'est un peu ça. Ouais.
Et en effet, le président, bon, il est un peu fade. Hein. Il surjoue beaucoup. Alors, toi, on dit que tu l'avais vu aussi en VO. Bah, comme moi, je trouvais que en VO, il est assez insupportable, le président. À part son discours qui passe, c'est vrai qu'il est toujours un peu. La scène, tu sais, quand il est là où ils te refont la scène du labo. C'est rigolo. Moi, je trouvais que c'était pas très, très correct. Quoi. Le mec se colle contre la vitre. Oui, je suis un extraterrestre. Ah non, c'était très vraiment mal fait. Ouais, non, vraiment. Non, ça pour le ça coup, ressemble à la scène du premier film là. Quand ah non, très mal fait. Complètement. Mais même dans l'espèce de jumpscare, même dans le jumpscare, on voit venir quoi. Dans le premier, ça fonctionne en fait. Dans le premier, ça fonctionne et au final, tu t'y attends pas. Et enfin, c'est pas vraiment surjoué. Mais là, c'est vraiment le mec. Vas-y, je vais rentrer tout seul. T'as la fumée, tu fais bon, c'est la scène du premier. Hop, ouais, tu vois ce qu'on est contre la vie. Tu dis, voilà, c'est la scène du premier. Et tu vois, j'étais même pas étonné qu'il soit encore vivant. Tu vois. Je me suis dit, bon. Et genre, comme de par hasard, ça m'a agacé aussi un peu. L'alien veut communiquer. Tu sais, le mec, il va dire, ouais, on a gagné. Tu sais, il leur donne des indices en plus. Tu sais, les aliens, en fait, sont complètement cons. Tu sais, en fait, ouais, elle arrive. Qui est elle? Elle et tout le monde. Oh là là, ça donne des indices. Non, l'alien aurait pu buter, s'amuser, faire « Ouais, on va lui niquer ». Non, non, il donne des indices histoire de leur donner un petit peu de… Non, mais je crois qu'en fait, les aliens, ils sont un peu teubés hein, parce que… Ah oui, complètement. Et ils répondent à la confrontation, à la pisse de Liam Hemsworth dans leur propre vaisseau. Hein. Oh, ils sont complètement à la masse. Hein. Mais je pense en fait que… À mon avis, c'est parce que ces aliens n'ont pas l'habitude de ce genre de choses. Ouais. Je pense pas que les, en fait, les, parce qu'il faut se dire aussi, mais pourquoi en fait ils n'ont pas de firewall dans le premier ou des trucs comme ça? C'est que ces aliens n'ont jamais fait face à une technologie de ce type-là, qu'elle soit primaire ou élevée, ou à un caractère comme ça. Donc eux, ils voient le mec en train de pisser sur leur vaisseau. Ils ont jamais vu ça de leur vie. Ouais. Alors ils disent bon, ils réagissent un peu d'une façon que nous on trouve con, mais pour eux ils agissent de cette façon. Bah pareil, après si on veut parler d'incohérence, un truc que je trouve incohérent, mais bon, il faut bien un scénario. Ils prévoient tout jusqu'au moindre détail, à savoir que les vaisseaux vont rentrer dans leur vaisseau, qu'ils vont les piéger, qu'ils vont mettre une espèce de petite sphère sur les bombes. C'est un système de défense standard, je pense. Ouais, mais ils avaient prévu, c'était leur piège quoi, pour empêcher les bombes d'exploser par rapport au premier, parce que le premier c'était la même chose, c'était rentré dans leur vaisseau. Mais les mecs, après, une fois qu'ils sont dans les humains sont dans le vaisseau, bah, ils les retrouvent pas. Ils sont perdus, les gars. Vous n'avez pas prévu. J'ai trouvé ça un peu bizarre, quoi. Attends, je comprends pas. C'est-à-dire qu'ils n'aient pas de système de scanner. Bah oui, de système de scanner, ou même dans leur armure, qu'ils n'aient pas un truc pour repérer les humains. Au final, les humains, ils sont dans leur vaisseau et ils sont en train de. Après, il y a un côté, après, je me suis dit, ouais, c'est peut-être justifié par le fait que, bah, en fait, leur vaisseau, c'est quasiment un écosystème. On pourrait dire que c'est même plus un vaisseau, c'est une planète qui vole, quoi. Moi, ce que je voyais, c'est qu'ils avaient l'air d'être dans les champs de culture des aliens. Donc là, il n'y avait pas forcément de système de défense, quoi. Ils devaient y aller à pied. Enfin, probablement, ils étaient loin du quartier militaire. Ouais. Enfin, moi, je me suis dit ça. Je me dis, ah, tiens, il y a de l'eau. C'est étrange. Mais pourquoi pas? Moi, je pense pas qu'il aurait cherché à faire des détails, tu vois, autour d'un truc. Mais après, c'est aussi aux spectateurs d'essayer d'imaginer des choses. Hein. On a tendance à vouloir à ce qu'on nous explique absolument tout, mais c'est bien aussi un film nous laisse des portes pour que certains viennent se plaindre d'incohérences et pour que d'autres puissent imaginer la culture des extraterrestres, comment ils peuvent fonctionner. Donc ça sert aussi à ça, le cinéma, c'est de nous faire un petit peu imaginer des choses à la sortie du film. Et pas forcément nous plaindre, mais aussi me dire « Ah, mais on a eu ça dans le film, et alors pourquoi ?» Tu vois, ça crée des conversations, je trouve ça plutôt bien, que nous expliquer vraiment tout, à travers des monologues complètement chiants de scientifiques, on n'en a rien à battre. D'après toi, le cinéma passe par l'image. Le truc dont on n'en a rien à battre aussi, personne même dans le film n'en a rien à battre, c'est le petit chien, ouais, ça c'était drôle, mais bon. Charlotte Gainsbourg qui commence à déchiffrer les trucs. On va voir, on sait que le Black, là, le chef de tribu, commence à pouvoir déchiffrer les espèces de pictogrammes, j'allais dire, d'aliens. Elle a ses plein de trucs, mais ça sert à rien, en fait. Pendant tout le film, c'est comme ça. Elle sait plein de trucs. Ouais, bah ouais, je sais que ça veut dire peur, machin, ils ont peur de ça. Mais en fait, ça n'apporte rien au film. C'est son tronc, le gars frustré, le gars scientifique frustré, tu vois, qui a étudié pendant des années, et là, t'as un mec, en fait, c'est ça.
Ouais, ah, et puis je pouvais pas me dire avant, connard. Ce que je trouve bien dommage, c'est son côté amoureux que t'avais Jeff Goldblum, pardon. Tu sais qu'ils se sont connus avant, qu'il s'est passé un truc, mais là au final ils font, vas-y, suis-moi, on va résoudre ça. Ah, tu te rappelles, on a été ensemble avant, tu te rappelles, ok. Et à la fin du film, bon, bah, on va peut-être se refaire un bisou, hein, à PN, faut peut-être faire un bisou. Mais pendant le film, il n'y a rien du tout, il montre rien, il n'y a pas de. Enfin, voilà. Ouais. Et on sait pas ce qu'elle est devenue, sa copine d'avant. D'ailleurs, ouais, c'était dommage. Ouais, c'est peut-être un avis que l'actrice voulait pas jouer, donc du coup, enfin, je sais pas comment ça s'est passé. Bah, ouais, mais ils auraient pu trouver une idée, ou je sais pas, parce qu'on sait pas du tout ce que c'est devenu leur relation, quoi. Mais ouais, je pense qu'ils ont voulu mettre trop de choses et que du coup, il fallait snobber des détails. Ouais. Ou alors, ça va réapparaître dans 3 et 4, s'il y en a un 3 et 4, je ne savais pas ça par contre. Ouais, on s'en doute un petit peu vu la fin. Voilà, mais comme on j'ai va dit, casser moi, de gardienne. Mon plus gros regret, c'est qu'il n'y ait pas Russell Case dans ce film, ou un hommage à Russell Case, qu'on voit ses enfants, parce que c'est quand même le plus gros héros du premier film, quoi. Je trouve ça vraiment dommage. Si, bah, l'hommage, c'est putassier, c'est ça, et tout le monde veut se sacrifier. Maintenant, on a donné l'exemple, il y a tout le monde, ça gêne plus personne. Je veux mourir, coucou. Ouais, les mecs, il y en a un groupe qui va se sacrifier, est-ce que vous êtes prêts? Ouais, on est prêts. Moi, je me sacrifie. Moi. Non, c'est bon. J'ai trop de dettes, faut que je me sacrifie. D'ailleurs, un truc qui m'a choqué, c'est la fille du président d'un groupe qui dit, bon, bah, je vais me sacrifier. Quoi? Elle arrive, non, elle fait, pas bon, toi. Bon, voilà. Moi, tu sais, t'as plein de pilotes professionnels qui sont là pour ça. Elle arrive, je vais me sacrifier. Pourquoi? Comment? Quel honneur? Mais, parce qu'elle pensait que son petit ami était mort dans le vaisseau. Parce qu'en fait, ils ont perdu contact. Donc, à ce moment-là, elle s'est dit, j'ai plus rien à perdre. Enfin, peut-être. Mon plan cul est mort, donc c'est bon, je vais mourir. Non, mais alors, pourquoi je dis plan cul? Bon, c'est exagéré, mais Liam Hemsworth, c'est vraiment pour sa gueule qu'on le prend. C'est comme son frère. Hein, c'est pas les deux frères, à part dans Hacker, où je me trouvais intéressant Chris Hemsworth. Et dans Rush aussi. Hein. Dans Rush, il joue super bien. Et encore. Ah non. Mais dans Rush, il fait aussi l'homme sexy. Hein. Non, mais il fait l'homme sexy. Oui, mais il fait l'homme sexy avec du flemme anglais et tout. C'est un autre personnage, je trouve qu'il joue bien. Je veux dire, regarde, mais mon Dieu, quoi. En Australie, il y a tellement de bons acteurs. Pourquoi prendre ceux-là, quoi? C'est pathétique. Ils auraient dû prendre Hugh Jackman. Exactement. Non, mais très bien. Pourquoi eux, quoi? Bon, ça, parce que ça fait vendre. Il faut faire vendre. Ouais, parce qu'ils sont à la mode, parce que le gars avait joué dans Hunger Games. Parce que vous savez, le mec, il fait des parfums pour Diesel. Oh, gaga, on va prendre ce. Ouais, c'est ça. Il va faire des vannes. Oh, gaga. Ouais, après son personnage, franchement, je l'ai pas trouvé tellement intéressant. Parce que si tu regardes bien, c'est un peu il y a plusieurs personnages principaux. Il est lambda. Ouais, non, mais pour moi celui que j'ai trouvé qu'il avait vraiment une importance, ou en tout cas celui où je me suis, c'était Jeff Goldblum. Parce que c'est lui qui va créer le truc du là. Même dans le premier Independence Day, il était mieux là, mais c'est un personnage fonction, quoi. Je sais pas pour vous, mais c'est vraiment un personnage qui la déchéance de ce personnage, vraiment, il joue mal et tout, c'est le président, quoi, je reparle, mais le mec, il est avec sa vieille barbe, et on dirait qu'il vit dans une chambre d'hôtel. Tu le vois tout le temps dans sa chambre avec un lit, avec une vieille télé. De toute façon, qu'il vit dans une chambre d'hôtel et que sa fille, elle vient le voir, il a un vigile pour lui, tu vois. Genre, ouais, t'es ancien président, vas-y, on t'a donné une chambre dans un motel miteux, vas-y, top. Ouais, bah après aussi, c'est on te le montre, enfin, plus ou moins, qu'on essaie un peu de le cacher, parce que ce qui est devenu aujourd'hui, il est gênant, c'est ça. Mais c'est des personnages second degré comme le film, donc c'est pas genre une mauvaise direction d'acteur ou bon, déjà Liam Hemsworth n'est pas un bon acteur, donc lui c'est autre chose, mais pour les autres il est pas mauvais non plus, mais il pourrait bien jouer de toute manière, faut pas dire que c'est un mauvais acteur, il a eu l'occasion de bien jouer dans un film. Faut bien comprendre un truc, au cinéma maintenant tu as une tonne de mannequins qui ont été intronisés, exemple Gal Gadot depuis Fast and Furious, voire un petit peu avant, ce sont des mannequins qui sont pris, et c'est pas forcément pour leur jeu d'acteur qu'on les prend. Ils font vendre, ils font des personnages pas très compliqués à jouer des fois, peut-être qu'après ils peuvent se réveiller en tant que bon acteur après, c'est pas arrivé pour Liam Hemsworth. Après aussi, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a beaucoup de modèles qui à la base voulaient devenir actrices mais qui ne le sont pas devenues, et donc du coup elles sont devenues modèles. Ça c'est un truc si tu demandes, il y a beaucoup de modèles qui veulent devenir actrices mais qui ne le deviennent pas, et donc du coup vont dans le mannequinat parce qu'elles ont un joli physique. Bah, ce sont des nanas qui à la base veulent faire du cinéma.
Ouais, enfin bon, je vais pas rajouter sur Amnesty Swords. Un exemple, mais... je te donne un exemple, c'est Cara Delevingne. Ouais. Ah oui, c'est... Ouais. À la base, elle voulait toujours faire du cinéma, mais... Ouais, bah, elle aurait pas dû, même. Ouais. bon, c'est vrai que, ouais. C'est vrai que Pepper Tam, c'était de la merde. Ah bon, on la verra dans un film qui porte le même nom qu'une personne ici. Hein. Ah, il doit être fier, Valérie. Ah, il doit être trop fier. Oh là là, j'en frémis d'avance. Est-ce que tu vas pleurer? Non, bon, arrête. Ah non, mais attends, mais elle est pas rousse. Ça commence tout de suite. Ouais. Ah, elle est pas rousse. Putain. Elle est blonde. Je vais faire comme Durandal, je vais hurler, tout ça. Ah bah non, c'est un film. Ça, ouais, ouais. Il va pleurer, oui. Ah oui, il va pleurer. Hein. Ça joue. Ah bah oui. Bon, dernier bémol, moi, pour les personnages, pour revenir aux personnages, après, si quelqu'un a quelque chose à rajouter, je trouve quand même que Jeff Goldblum a un rôle largement moins important que dans le premier, voire genre on va te refaire faire la même chose, mais en moins importante. Quoi. Mais il sert presque à rien. Ouais, il sert à rien du tout, presque. Il y a toute une intrigue avec lui qu'il va découvrir la sphère blanche, il va aller sur la lune et notamment tout ce qui se passe en Afrique. Ouais, mais il est là pour mener sa petite enquête. Il est juste là pour être là. Il fait rien de concret, tu vois. Il est là pour accélérer l'action. Oui, ou dire ouais, il faut faire comme ça. Ah, vous l'avez pas fait, bah je vous l'avais bien dit. Voilà, c'est un peu ça. Nananère. Ils ont surtout mis les nouveaux comédiens en avant. Ouais, exactement. Les nouveaux, mais moi je les trouve en retrait. Hein. Non, mais tu les trouves en retrait parce qu'ils sont pas les anciens. Ouais, c'est ça. Je trouvais que les anciens avaient une plus grosse importance. Mais parce que, oui, les anciens ils ont une plus grosse importance parce qu'ils ont vécu le truc et ils sont beaucoup plus expérimentés que les plus jeunes. Mais je trouvais que voilà, les plus jeunes, franchement. Surtout, attendez-vous dans les prochains opus à voir de plus en plus de nouveaux, quoi. Parce que les anciens. Ouais, bah oui, vrai, bah, là, c'est y a ça. Plus de oui, non, il n'y a plus d'anciens dans les. Il n'y a plus de président, il n'y a plus la mère d'un tel, il reste qui? Il reste Jeff Goldblum, mon gars. C'est tout. Ouais, il n'y aura que Jeff Goldblum, je pense. Hein. Ouais. Et son père. Et peut-être son père, ils vont partir tous les deux dans l'espace. Survivant. Ils vont partir tous les deux dans l'espace. Et le docteur, par contre, je suis le seul ou. Non, il reste le docteur aussi. Ouais, je suis le seul ou j'ai l'impression que Jeff Goldblum va bientôt rattraper. Enfin, l'acteur qui joue son père en termes d'âge, parce qu'à un moment, je pensais que Jeff Goldblum était plus vieux, quoi. Non, quand même pas. Mais moi, je trouve qu'il est par rapport à l'acteur. Bon, par contre, j'étais surpris de voir que celui qui joue son père, il n'a pas vraiment bougé, tu vois. Il n'a pas tant vécu que ça, non. Ouais, j'avoue que c'est ouf. Autant Paul Pullman avec sa barbe, même sans sa barbe, il m'a fait peur un peu. Je me dis merde, même dans la façon dont il parle, je sais pas sa voix, je me dis putain, le mec, il a pris un coup de vieux. Autant non. Même Jeff Goldblum, à part les cheveux gris, il a pas vraiment changé, hein, je trouve pas. C'est son père qui est le plus choquant quand même. Je croyais que c'était un acteur mort maintenant. c'est vrai, ça fait 20 ans quand même que le premier film est sorti. Et il a pas vieilli le mec, quoi. Il a la même gueule, exactement la même gueule. On va passer à la musique. Moi personnellement, je pense qu'il n'y aura pas grand chose à dire, mais. Qui veut commencer pour la musique? Moi, je vais. Vas-y, je t'en prie. Sachant que c'était David Arnold qui avait fait la musique du premier, là ils sont passés à Harald Closer, c'est le nouveau musicien attitré de Roland Emmerich, et il y avait ce thème qui sortait tout le temps dans le premier, et là ils ont fait des nouveaux thèmes, mais ça marque pas du tout en fait, tu les retiens pas. Et le thème du premier est dans les crédits en fait. Voilà, mais seulement là, seulement là. À la fin. Mais autrement, c'est que des nouveaux thèmes, mais ils sont pas marquants du tout dans le film. Ils m'ont pas marqué du tout, alors que dans le premier, tu les entends tout le temps quasiment, et dans les moments voilà épiques et tout. Et c'est pour ça que je la retiens, la musique, je l'ai encore dans la tête. Hein. Et ça m'avait marqué. Mais là, non. Elle n'est pas mauvaise, non. Mais épique. Mais... Elle est discrète. Voilà. Moi, j'ai absolument rien. Ouais, quand tu ressors du film, t'as pas un thème quoi dans la tête. Ouais, à part la thème du film à la fin. Elle est pas marquante du tout en fait. Ouais, non, y a rien. Et sachant que c'est Harald Closer, il est pas génial comme compositeur. David Arnold, il avait quelque chose. Mais Harald Closer, il dégage rien dans sa musique. Je trouve qu'il a pas de réel talent en fait. Il avait fait quoi? Le jour d'après, tous les films de Roland Emmerich. Encore le jour d'après, il avait un thème. Le jour d'après, il y avait encore un thème, mais 2012, non. C'était vide, quoi. Il n'y avait rien à retenir aussi.
Donc voilà quoi. Et voilà, tout simplement. Voilà. C'est ce que j'ai retenu de ces conclusions. Il n'y a rien à. On a battu un record sur la musique, petitement. Je sais pas après vous ce que vous en pensez, mais voilà. Non, mais pareil. Voilà, elle est musique, très fonctionnelle, c'est dommage. Voilà. On retient rien de la musique. Limite, je crois que la musique, dans certaines scènes, elle est même supplantée par les effets sonores. T'as des effets sonores de vagues, d'explosions et tout. Des fois, c'est pas plus mal d'avoir son à la place de la musique. Hein, des fois, ça fait du bien. Hein. Des fois, quand t'as trop de musique, moi, j'aime pas du tout. Hein. Que là, justement, t'aimes bien, t'es imprégné dans la diégèse du film, et c'est cool. Ah, mais des fois, quand t'as pas de musique, ouais, c'est sûr que c'est bien. Ça dépend des films. En fait, maintenant, la seule musique dont je me souviens, c'est celle du premier plan. Encore une fois, je reviens à ce premier plan où tu as une espèce de sonorité assez aiguë avec des grosses basses et d'une espèce de sound design dans la musique. C'est pas un sound design qu'ils ont rajouté après. C'est un truc que vous entendez dans la track. Qui est vraiment bien, mais c'est autrement les thèmes. Il y a une espèce de simili de thème du premier, mais qui n'emporte pas quoi. Après, t'as pas de frisson. Je suis d'accord avec toi pour les basses, mais surtout pour les effets. Il y avait tellement de basses au cinéma, le sol tremblait, tu vois, dans les scènes d'action, d'explosion et tout. Bah ça c'est bien. Ouais, c'est bien, ça a une tendance à te mettre un peu plus dans le film, tu vois. Et je pense, enfin je sais pas chez toi Andy, mais c'était pas de la salle qui tremble à te boucher les oreilles comme ça avait été le cas pour Gravity quoi. C'était pas la basse comme t'as en boîte de nuit où t'es sourd voilà. Les acouphènes quand tu sors la basse elle prenait pas tout le son, tu t'arrivais à percevoir les autres sons et c'est surtout voilà c'est sous-titre, enfin ça faisait vibrer le sol, moi je trouvais ça, j'avais l'impression d'être en cinéma 4D quoi, je me dis bon. Alors moi c'était pas le sol qui avait vibré mais c'était carrément l'écran. C'était l'écran du cinéma qui t'avais l'impression que ça commençait à onduler comme ça. C'est il y avait un moment, alors je sais plus à quel moment mais je me souviens, ça avait l'écran commençait à onduler parce qu'il y avait un son qui était assez fort. Mais voilà, juste petite anecdote. D'accord. OK, merci. C'est ce que j'ai à dire. La musique, on va passer à une conclusion finale avec une petite note sur 20. Aurèle, vas-y, je t'en prie. Petite conclusion finale avec une petite note sur 20. Une note sur 20 ? Sur 20, oui. Alors, je dirais 6. Et encore, je suis gentil. Quoi. 6 sur 20. T'es comme ça, là, un peu. Non, parce que moi, je pense que je suis parti trop. Quand je suis allé voir le film, je suis parti trop avec la nostalgie du premier, espérant retrouver beaucoup d'éléments et peut-être des répliques marquantes comme le premier et tout. Et en fait, je suis ressorti de la salle assez déçu finalement parce que j'ai pas retrouvé tout ce que j'avais aimé dans le premier finalement. Mmh. Et donc, je suis ressorti de la salle assez déçu pour ce côté-là. Mais pourtant, il y a beaucoup de références au premier. Hein. Il y a beaucoup de références. Voilà, c'est ce que j'appelle une rencontre du troisième type. Ah, c'est marrant parce que la phrase, elle passe totalement inaperçue. Hein. Le mec, il dit ça. Ben voilà. Il le sort. Et qu'il le balance comme ça. Il y a des références peut-être, mais ça n'a pas le même charme. Et donc, ça, sur moi, ça n'a pas opéré, quoi. Donc, voilà. Ouais, mais moi, par exemple, tu vois, je comprends pas pourquoi, du grand public, ne vont pas accepter ça dans un Independence Day 2, mais par contre, ça ne leur pose pas de problème dans un Jurassic World ou dans un Star Wars 7. Ah, ça dépend, après, je sais pas. Pour moi, il n'y a pas grande différence dans la manière de faire la différence. J'ai peut-être une idée sur la question. En fait, Independence Day, c'est un film, comme on l'a dit tout à l'heure au début avec Valérian et tout, c'est un film assez critique au final, mais très second degré, tu vois, un peu comme Starship Troopers. Sauf que nous, l'ayant vu enfant, quand tu le vois enfant, t'es assez premier degré et t'es assez émerveillé par ce que tu vois, en fait. Voilà. Et je pense qu'en fait, le souci vient du fait que,
même si tu l'as revu après, tu as un peu ce souvenir de l'enfant émerveillé quand tu as vu ce film-là. Et du coup, bah, l'effet nostalgie, en fait, tout simplement que bah, tu t'attends à être aussi émerveillé en voyant le second, alors qu'on t'a peut-être servi le même produit, sauf que maintenant, en fait, tu es grand, tu n'es plus un enfant qui est émerveillé avec un pétard qui explose. Donc, du coup, tu ne le ressens pas de la même manière, en fait. C'est juste ça. Pour moi, c'est ça le problème. J'avais 16 ans quand je l'ai vu, moi, donc tu vois. Ouais, j'étais beaucoup plus jeune. Hein. Je l'ai vu, j'avais 6 ans. Ouais. Et moi j'étais ébloui, j'aimais beaucoup ce genre de cinéma quand j'avais 16 ans et quand je l'ai vu au cinéma, voir ça sur grand écran, c'était impressionnant et c'est pour ça moi ce que j'espérais c'est être aussi émerveillé en allant voir cette suite et non, je l'ai pas été autant. Ouais, mais après quand même Independence Day quand il était sorti, c'était quelque chose pour l'époque hein. En tout cas, bon. Aujourd'hui, quand tu regardes le 2, t'as vu ça dans d'autres films, destruction qu'il y a dans Independence Day. C'est beaucoup plus impressionnant. J'irais même plus loin. Roll Home Rich, à son époque, c'était quand même quelque chose de plus impressionnant. Maintenant, quand on dit Roll Home Rich, c'est limite si quelqu'un connaît. Moi, je me rappelle, à la sortie d'Independence Day, c'était de la folie. Godzilla, c'était pareil. J'allais chez Pizza Hut, j'avais mon mini Godzilla en plastique. Enfin, c'était un truc ouf. Maintenant, Roll Home Rich, c'est limite si on te demande qui c'est, quoi. Mais c'est qu'il y en a qui font mieux que lui maintenant, tout simplement. Je dirais pas ça. Je dirais juste que Laurent Emmerich, il a sa patte, et maintenant on est peut-être passé sur une autre mode, et on a tendance à dire que bah, c'est ringard un peu les années 90, alors qu'au final, bah, moi je trouve qu'avec ce film-là, il nous a fait un truc qui est vraiment dans l'esprit de ce qu'il faisait avant, et je trouve pas vraiment ringard le film, en fait. Je trouve qu'il a su renouveler certaines choses, et... On essaie toujours de faire plus sérieux et tout, et son style, obligatoirement, on va dire que c'est ringard, alors que c'est pas forcément le cas. Voilà. Du coup, Valérian, t'écoutes. Ben, pour moi, le film, c'est un peu le gag du chien, en fait, dans le deuxième. C'est-à-dire, dans le premier, c'est super sérieux, c'est le chien, symbole de la famille américaine et tout ça. Et dans le deuxième, on te refait le même gag, avec même Jeff Goldblum qui se moque de la blague. Et c'est un espèce de petit cabot inutile, sans famille, qui veut quand même être sauvé, et on le sauve quand même. Bah pour moi, ça, c'est vraiment le film. C'est pas une suite qui est forcément super satisfaisante, surtout quand on voit le premier, oui. Mais il fait son taf. Il y a peut-être un manque d'émotion qui ne permet pas d'aller à fond avec les personnages, et finalement d'être investi dans l'action. Mais en attendant, ça va. Pour moi, c'est équilibré, et c'est plus savoureux. Si on prend en compte la dénonciation d'Emmerich, en fait le piratage de son propre film, ouais. Moi je lui mets un 13 sur 20 et du coup j'attends une suite parce que le dernier plan du film c'est pas un plan avec les feux d'artifice comme on a dans le premier, ouais. Le deuxième plan c'est un plan complètement dégueulasse sur le docteur Okun qui dit allez on va buter des aliens, ouais. Tu dis oh là là, attends, et en plus je m'attendais vraiment à ce qu'on ait un autre plan après, mais le film ça coupe là, c'est-à-dire un plan moche, plan coupé à la taille de professeur Okun avec la boule derrière. Enfin, tu termines pas un blockbuster de cette façon. Et le mec dit fuck you, je le termine comme ça. Je trouve que ça, je veux dire, ça résume aussi. Le film peut se résumer par son premier plan et son dernier plan. Que les mecs le prennent au premier degré, mais c'est presque une faute. Oui. Tellement. Enfin, bah, on dans les yeux du début à la fin. Que le mec il veut vraiment nous montrer que ça c'est de la grosse connerie en fait, mais même nous prendre là le patriotisme et tout ça c'est une grosse connerie. Ah oui, mais le premier n'était pas patriotique. C'est pour ça que moi je trouve que le film est vachement bien dans son optique. Donc oui, moi je lui mets un 13 sur 20. Très bien, Charles. Enfin, il n'était pas patriotique. C'est. Attends, je vais juste. On va se mettre d'accord. Ouais. Le premier, les Américains, ils n'arrivent pas à buter les aliens comme ça. Ils n'arrivent pas à réagir tant que ça. Et on montre justement qu'ils font. Dans le premier, c'est un gouvernement militaire qui bute. Hein. C'est un pauvre techno. Et hein. En plus, oui, c'est pas les militaires, c'est un autre. Donc, patriotisme. C'est un gars simple qui arrive. Après, va falloir m'expliquer pourquoi les Américains, pourquoi le public américain considère. Parce que c'est un film américain, Adam, bordel. Ça aurait été fait par des Australiens, ça serait passé à Sydney.
Ouais, mais les Américains disent ouais, c'est un film qui montre la puissance de l'Amérique, ouais, que l'Amérique, quel que soit le défi. Oui, non, mais justement, en fait, ce que les gens ne comprennent pas, la sous-lecture du film, c'est au contraire, ça te montre. Je l'avais d'ailleurs dit, Andy, exactement dans une interview, c'est que. En tant en Europe, on l'a vu dans le second degré et ça a mal passé. En Amérique, ils l'ont pris au premier degré, ils ont trouvé ça génial. Ouais. Et Amérique n'est pas américain. Hein. Ouais. Oui, c'est un Allemand, américain. Lui, bon, l'Amérique, c'est bien joli, mais non seulement un Brecht allemand, mais en plus, c'est un truc qu'il a écrit. C'est pas une commande. Après, en plus, genre, c'est pas l'armée américaine qui lui a demandé de faire ce film. Sans dire exactement, beaucoup. Par rapport à Michael Bay. Sans dire beaucoup sur le public américain, c'est que le mec passe les trois quarts de ses films à détruire l'Amérique, à un peu les descendre au second degré, et les mecs ils applaudissent, ils sont contents, tu vois. Genre, ouais, l'Amérique est belle et forte. Mais parce qu'ils sont cons! Non, ils sont pas cons. Bah, mais c'est comme le personnage, le Pecno, en fait. Là, parce que même dans le premier, Adam, comme on dit, au final, les Américains, c'est vas-y, on attaque, bombe atomique, sur un bouclier, mais il a un bouclier, tu sais, Godboom, il le dit, il y a un bouclier, ça va pas marcher et tout. Si, ça va marcher, même si on détruit trois quarts de la ville, on s'en fout, bouclier, allez, on nique tout. Et non. Enfin, voilà. Et après, quand même, l'Amérique. T'as la même chose dans Godzilla. T'as la même chose dans Godzilla où les mecs ils tirent bêtement comme ça sur le monstre. Oh, on tire sur le monstre, on voit des hélicoptères. C'est pareil. Ils se foutent de leur gueule, mais ils sont contents. C'est voilà. Voilà. Ouais. Enfin bon, de toute façon, ça c'est un débat sur le premier Independence Day. Le deuxième Independence Day, il ne vaut pas le premier. Je trouve qu'il manque, je disais au début, ça manque de charme. Moi, j'aime les maquettes, j'aime la nostalgie, j'aime le jeu des acteurs de l'époque, ce que je n'ai pas retrouvé ici, parce que la CGI, il fallait utiliser la CGI pour ce qui devait être montré, c'était obligatoire, mais effectivement, c'est un peu inégal sur certains points. J'ai pas été pris par histoire, pas de grosses surprises, quelques idées intéressantes et encore une fois, un sens du détail qui appartient à la diégèse du film. Mais c'est pas exceptionnel. En tout cas, il y a plein de films hollywoodiens qui ont des prétentions. Certains réussissent pas. Celui-là, c'est du second degré. Il réussit son second degré. Il réussit pas tout, d'accord, mais c'est peut-être facile comme volonté de départ. En tout cas, il a appliqué à la lettre ce qu'il souhaitait. Et c'est toujours mieux que ce qu'il a fait durant les années 2000. À part le jour d'après, je trouve que c'est intéressant, mais sinon, 2012, 10 000, tout ça, bon. Moi je lui donne un 12 sur 20 à ce film parce que il réussit quand même quelque chose de au moins convenable. Adam. Mais écoute, j'ai passé un chouette moment, je trouve que c'est vraiment le movies par excellence ce film, c'est vraiment ce que devrait être un popcorn movies. Se lâcher, des scènes d'action, enfin voilà. J'ai passé un bon moment, j'ai trouvé que le premier. Parce qu'il y a des scènes dans le premier et je me tirais les cheveux de la tête quand j'entendais Jeff Goldblum qui disait mais oui, bien sûr, comme les échecs, ils mettent les pions et puis échec et mat. Enfin, c'est peut-être des trucs qui à l'époque passaient mais qui aujourd'hui. T'as pas vraiment tout compris par rapport aux échecs dans ce cas par rapport au premier film. Parce que je trouve que c'est une aberre. Non, mais en fait, c'est quand il a sorti le truc, j'ai fait attends, mais je trouvais que ça sortait de nulle part. En fait, c'était une phase heuristique pour nous expliquer le concept. Ça sort pas de nulle part, justement. Non, du tout. Bah, non, mais oui, ok, les échecs, ok, je connais. J'y joue. Mais non, mais. Champion du monde d'échecs en Pologne. Bah écoute, j'ai gagné quelques tournois dans ma jeunesse, bon. Mais bon, ça fait 13 années 90, mais aujourd'hui, quand je regarde le truc, ça passe absolument pas. Donc, j'ai trouvé que, ouais, niveau facilité, c'était un peu mieux géré. Voilà, il est pas aussi marquant que le premier. Ça c'est dommage, parce que le premier avait quelque chose de réellement marquant, avait quelque chose de réellement iconique, culte, que n'a pas, heureusement, je pense que certaines personnes vont très vite l'oublier, parce que il n'y a pas de scène réellement mémorable, ni même de scène mémorable. Pour notre premier, je vous donne par exemple le speech. Je veux dire, le speech du premier, ça fait partie des meilleurs speeches du cinéma. Enfin, voilà quoi. Et je donnerai la note de 13,5. Et bon, j'attends la suite. Parce la façon dont on le vend, ça, pour moi, ils annoncent un truc de malade. Tu vois, je me dis, oula, gros cliffhanger, il y aura un truc de ouf. Donc voilà. Là, par contre, oui, ça peut être intéressant la suite, hein, je dis pas. En deux parties, je rappelle. En deux parties. En deux parties, ouais.
Ouais, quand même. Ouais, faut bien faire de l'argent. C'est intérêt d'être bien, alors. Quant à moi, elle t'a donné ta note, du coup, sur 20, Adam ? Oui, j'ai mis 13,5. 13,5, très bien. Je pense que ce film, il m'a quand même appris quelque chose pour l'avenir, c'est-à-dire dans pas longtemps, vous allez comprendre pourquoi. Il m'a quand même appris à mettre ma... J'allais dire, je perds mes mots, ça y est. Je suis fatigué là, ça y est. Dans le vaisseau des aliens. J'ai faim et tout. Je perds complètement mes mots, j'allais dire. Enfin, j'ai plus de mots en tête, ça y est, je suis perdu. Fouh. Bon, on va appeler les aliens. Parce que j'ai perdu un mot en fait. Un mot qui s'est envolé, donc je peux plus parler. c'est horrible, j'ai le mot là. Il a le souffle coupé. Ah, vous allez peut-être pouvoir m'aider parce que je ne retrouve plus ce mot que j'ai. Bon, on ne sait pas ce que tu veux dire. Il faut compléter avec d'autres mots, mais ce ne seront peut-être pas les bons. Un mot qui signifie que bon, tu t'attaches beaucoup à nostalgie. Voilà, merci. C'est bon, j'ai trouvé tout ça. Ah putain, t'as dû dire chaîne de radio. J'ai nostalgie. Donc ce mot m'a aidé à mettre ma nostalgie. N'importe quoi. Ce film m'a aidé à mettre ma nostalgie de côté et je l'ai quand même apprécié. Le gros bémol du film pour moi, en fait, c'est surtout les personnages qui sont trop légers, tu t'attaches pas assez. Et du coup, comme on l'a dit auparavant, le peu de scènes d'action où tu pourras avoir peur ou crainte pour les personnages, tu t'en bats les couilles, mis à part pour le père de Jeff Goldblum. Sinon, les effets spéciaux, ça reste tout correct, mis à part ce qu'on a évoqué tout à l'heure. L'histoire en elle-même, elle est plutôt correcte. Il n'y a rien à redire. Après, c'est vrai que j'ai préféré le premier. Chris Hemsworth s'en bat des couilles. Les personnages sont trop, c'est trop léger, c'est trop. C'est la même chose. C'est pareil. C'est pareil. Il joue pareil, donc. Non, mais voilà, c'est trop léger, c'est pas assez appuyé, et je trouve ça dommage. Et je sens qu'on va, plus ça va aller, plus t'auras des personnages lambda. Ça va juste être la guéguerre. T'auras les humains américanisés contre l'univers tout entier. Je trouve ça un peu dommage. Mais ça va, le film est relativement correct. Je me suis pas ennuyé. Non, pas de musique marquante, ça on l'a dit. Voilà. Et le film, je mets aussi 13 sur 20. Voilà. Oh, ça lui fait la moyenne, en fait. Bah ouais. Non, mais il est pas mauvais, le film. Hein, tu sais, je me suis pas fait chier. Honnêtement, je me suis moins fait chier devant ça que devant Tortue Ninja. Donc voilà. Et ça me donne de l'espoir, en fait... potentiel, je dis bien, de mettre ma nostalgie de côté pour potentiellement apprécier un minimum à SOS Fantôme. Et j'ai peur quand même. on verra. Mais plus ça va, plus ça me fait peur, cette connerie. Bah, faut pas le voir. Si. Pas de problème. Tu sais, c'est bête, mais il y a mon instinct qui me dit n'y va pas, c'est dangereux, tu vois. Et il y a un autre côté qui me dit, mais attends, c'était quand même des bons films, SOS Fantôme. Faudrait que tu y ailles, voir la suite qui est un reboot, où en fait on sait même pas si c'est un reboot, parce que bon, il y a tellement d'éléments. Même là-dedans, tu vois, dans leur com, ils se sont perdus, les mecs. Ouais. Ils se sont perdus. C'est un reboot. Tu vas voir, ça va être un chef-d'œuvre quand tu vas le voir. C'est un reboot, parce qu'en fait, le réalisateur, il a dit que, ouais, c'est pas ce qu'a foutu la com, c'était pour mieux vendre le film. Nous faire croire que c'était une suite, mais en réalité, la confiance. Des filles de pute, quoi. Voilà. Donc, merci à toi, Aurel, d'avoir participé à cette table ronde. De rien, ça m'a fait plaisir. Le plaisir partagé. Merci à toi, Charles. Tu peux retourner dans ton monde maintenant. Avec des aliens. Par contre, juste, il y a que moi qui ai trouvé que la reine mère dans son espèce d'armure, elle ressemblait beaucoup à un Muto dans Godzilla. Oui. Ah ouais. Un petit peu avec les pattes retournées. Ça ressemblait beaucoup quand même. Un peu beaucoup. Oui. Ils reprennent d'ailleurs certains plans où t'as le truc qui écrase une Jeep ou. Oui. Ils reprennent des plans. D'ailleurs, t'as un plan aussi qui est très marquant, le plan aérien. Où t'as la bête et tu la vois de haut avec la caméra qui bouge et tu sais, t'es dans un truc qui vole et tu vois la bête qui bouge, qui lève la tête et qui fait sa vie, tu vois. T'as la même chose dans Godzilla, quoi. Voilà. Merci à toi, Valérian. Mais de rien. Voilà, c'était bref. Mais de rien. Voilà, puis je vous dis à la prochaine, table ronde sur... c'est SOS Fantôme. C'est Suicide Squad, je suis un malade. Non, il y a Suicide Squad avant. Suicide Squad, qui va puer la merde, je pense aussi.
Ah bon ? Il faut pas dire ça. Ah bon ? Il y a des gens choqués ? Non, je sais pas, mais je sens qu'il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui cloche dans ce film, je sais pas. J'espère. Ah, pareil, j'ai un déjà, peu peur, mais... Déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter le comics demain pour me mettre dans le bain, et après j'irai voir le film. Grosse erreur, grosse erreur. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ça va pas suivre le comics et au final tu auras un produit totalement différent de ce qu'on va te donner dans le comics. Même si... Ouais, mais tu vois, ah, déjà, c'est quand même. Mais... C'est pas une adaptation de comics, ça reprend des personnages de comics. Ça, le truc qui s'en rapproche le plus, à la limite, ça serait le film Assaut en Arc, qui a l'air de que le film a l'air de reprendre certains éléments. Mais à part ça, voilà. Quoi. Peut-être, on sait pas, on verra. Ben, je te dis que c'est l'erreur parce que moi, par exemple, je compare avec tout ce que j'ai vécu avec Marvel Studios, tu vois, ces dernières années, parce que j'en ai commencé à me ras le cul, mais pour avoir lu Age of Ultron, Civil War et tout, ben, quand c'est sorti, ben, c'est vraiment de la merde, tu vois. Mais t'es un bon réalisateur quand même, t'as David Ayer, je sais pas. Enfin, il a quand même fait Sabotage, hein. C'est pas de la lumière. Hein. Oui, alors, Dieu merci, dans la même année, il a fait Fury. Mais écoute, si tu vois Sabotage, c'est mal barré. Hein. Ah, écoute, oui. James Wan, c'est... Sabotage, alors je pourrais pas te dire, mais j'ai vu Fury et j'ai adoré. Bah, Sabotage, il est... c'est pas super. Non, mais Sabotage, ça peut se comprendre, il était ailleurs. Hein. Il est... Écoute, James Wan est un bon réalisateur, il a fait Fast and Furious 7. Ouais, ça voilà. Ne veut rien dire. Qui est le meilleur de la saga. Bien évidemment. Ah, non. Le film avec la meilleure fin au monde. Ah oui, c'est le Brexit, c'est le Brexit la fin. Dis ça, vous l'avez pas vu cette vidéo genre ils reprennent la fin de Fast and Furious où ils mettent l'Angleterre à gauche sur la voiture de Paul Walker et l'Union européenne à droite et genre tu vois, bah au moins cette fin est drôle. Et donc du coup Charles Neger va nous dire comment participer à la table ronde. Pour participer à la table ronde, ça se passe sur la page Facebook et Twitter. Vous cliquez sur le lien du Doodle et vous renseignez les dates et les horaires proposés auquel vous êtes disponible en précisant votre prénom et votre adresse mail. Si vous n'avez jamais participé à la table ronde, envoyez en parallèle un mail à latableronde20@gmail.com avec l'objet « Candidature » dans lequel vous nous montrez votre motivation. Donc abonne-toi et je te fais un bisou. Voilà, du coup, cette table ronde est désormais terminée. À la prochaine pour Suicide Squad. Allez, salut! Salut. 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 Moi j'ai terminé d'un coup là parce que je sentais qu'on s'égarait. Et ouais, Arnold n'y parlera pas. T'as pas introduit Arnold. Ah mon dieu. Ouais. J'ai oublié. Maintenant, il le casera au montage. Il prend le truc, il le met, c'est bon. Il va se démerder. Nico, démerde-toi. Démerde-toi, Nico. Démerde-toi. Ouais, merci, bisous, Nico, sur la nuit. Ah, je suis sûr, il doit kiffer, tu sais, les petits messages qu'on lui laisse à chaque fois. Je t'aime, Nico.